S'allumer. Est-ce que... Pas du tout. Là. Là, c'est mieux. Ok, super. Alors, excusez-nous pour ce petit problème technique. Bienvenue ou rebonjour à toutes et à tous. Comme pour la première table, nous ferons une pause vers 15h40 et nous procéderons aux questions à la suite de toutes les interventions, donc à la fin de la table. Nous allons donc pouvoir commencer cette deuxième table humblement intitulée « Polyurcétique, espace et combat urbain ». Le domaine de la polémologie, dans son sens étymologique, contient de nombreux concepts et domaines de recherche permettant à ce champ d'études de prospérer et de s'améliorer. La table que nous proposons cet après-midi comporte trois domaines de recherche, la polyurcétique, le combat et l'espace urbain. Dans un premier temps, comme en histoire, nous aimons bien donner des noms à des champs d'études, il est ici important de différencier l'aspect obsidional, relatif au siège des villes, de la polyurcétique, relatif à la technique et à l'art du siège en général. Ce terme, polyurcétique, apparaît historiographiquement au milieu du XIXe siècle et devient un sujet de recherche de plus en plus intéressé, de par notamment son aspect pluridisciplinaire. Nous y retrouvons des recherches plus intéressées mêlées entre l'archéologie et l'architecture, par exemple, ou plus tard, entre la géographie et la sociologie. Nonobstant, la polyurcétique, elle, date de l'Antiquité et par extension de la création des premières places fortes et villes fortifiées. Par ailleurs, c'est aussi à cette période-là que le mot en lui-même apparaît. L'apogée de la polyurcétique est atteinte à l'époque moderne avec le développement de nouvelles fortifications, le tracé à l'italienne, mais également de nouvelles tactiques, notamment introduites et théorisées par l'ingénieur et plus tard maréchal Vauban. L'étude de la polyurcétique convient d'être abordée avec des notions dans les domaines de l'ingénierie, des mathématiques, de la géographie urbaine ou de l'histoire de l'innovation, car ne nous y trompons pas, les avancées technologiques ont joué un rôle considérable dans l'art de mener un siège. Effectivement, on ne mène pas un siège au IIIe siècle de notre ère comme on en mène un au XVIIe siècle. On passe d'une artillerie névrobalistique, donc d'une arme à deux jets mécaniques, à une artillerie à poudre. D'un point de vue purement tactique, la polyurcétique est un domaine militaire compliqué. À l'époque moderne, c'est Vauban, grand spécialiste s'il en est, qui prévient dans son traité de l'attaque et de la défense des places de 1702 que leurs exécutions étant une des plus sérieuses, des plus importantes et des plus difficiles de la guerre. Partie de la guerre. Ainsi, nous le constatons, la polyurcétique et son étude regroupent plusieurs autres disciplines permettant d'aboutir à un champ qui se veut pluridisciplinaire et exhaustif. Ce domaine d'étude est aussi diachronique. Avec l'évolution des technologies, les sièges sont menés différemment et sont donc étudiés de façon synchrone entre deux époques historiques. Nous pouvons citer, par exemple, le compte-rendu du colloque nommé Artillerie et Fortification 1200-1600, sous la direction d'Emmanuel de Crouy-Chanel, Nicolas Fauchère et Nicolas Proutot, qui abordent cette diachronicité ainsi que sa transdisciplinarité. Par ailleurs, les travaux d'Hervé Drévillon, de Philippe Contamine ou d'Alain Salamagne, pour ne citer qu'eux, font autorité dans cette discipline. Ce domaine est donc vaste et contient de nombreux éléments à prendre en compte pour son étude. Nous aurons une preuve de son étendue par les interventions de Philippe Diest et de Sidonie Fournier. Les espaces et combats urbains restent intrinsèquement liés à la polyurcétique et à son étude. Là aussi, ces domaines sont transdisciplinaires. Il est inconcevable d'étudier ces sujets sans comprendre ce que nous avons vu précédemment, donc à la table 1, à savoir l'importance stratégique de la ville en elle-même. Les espaces urbains, outre leur étude géographique, sont une clé de compréhension nécessaire pour étudier la guerre et plus précisément le thème de cette table. La guerre façonne à son image les villes s'inscrivant en première ligne d'un conflit. Cela peut être autant une ville frontalière ou une ville particulièrement importante pour la logistique, comme un arsenal ou des fabriques d'armes. Ainsi, les stigmates de la guerre modifient les paysages urbains et offrent aux chercheurs et chercheuses un axe de recherche particulièrement diversifié. La guerre peut transformer la ville avant et après qu'elle ait lieu. D'ailleurs, l'intervention de Sidonie Fournier nous donnera un petit aperçu de l'importance du milieu urbain dans le cadre de sa recherche. Du reste, l'étude des espaces urbains sont également inscrits dans une transdisciplinarité de par sa frontière étroite avec la géographie et plusieurs autres domaines des sciences sociales. Les villes ont été au centre d'enjeux stratégiques et tactiques, et il est obvious d'y retrouver des espaces que les soldats doivent appréhender, autant les défenseurs que les assiégeurs, du point de vue de leur spécificité liée au terrain. Ce champ d'études diachronique nous sera présenté à l'époque antique sous un angle précis par Rémi Saou.
La complexité de mener des assauts dans les villes ne date pas d'hier. Déjà au VIe siècle, Sun Tzu, dans son art de la guerre, expliquait la délicatesse d'attaquer une ville et de la prendre sans perdre l'entièreté de ses troupes. Cependant, il est factuel de dire que les combats urbains sont omniprésents lors des guerres modernes. On pourrait évoquer l'actualité, ou plus nationalement, le CENSUB, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine créé en 2000 et mis réellement en service en 2004 lorsqu'il reprend les traditions du 94e régiment d'infanterie. Dans l'historiographie contemporaine, ce sujet revient fréquemment. L'abondance des sources et témoignages en font un domaine particulièrement fécond. Nonobstant, il demeure encore en retrait pour les périodes plus anciennes comme l'histoire médiévale ou l'histoire antique. Finalement, nous le voyons, à travers ces brèves définitions et descriptions, le thème de cette table propose un vaste champ de recherche permettant de découvrir, à travers leur pluridisciplinarité et leur diachronicité, une manière différente d'étudier la guerre. L'intérêt est d'approfondir un domaine historiographique ancien en mêlant l'étude dite « traditionnelle » entre guillemets et la nouveauté. Il s'agit d'appréhender de nouvelles approches dans les différentes disciplines que nous avons vues et développer ces dernières afin que nous puissions mieux saisir certains enjeux dans les stratégies et tactiques employées durant les guerres. C'est une opportunité pour comprendre certains mécanismes qui expliquent la chute d'une ville et ou, par extension, la défaite d'un royaume ou d'un empire lors d'une guerre. En cela, les trois interventions de cette table sont propices à un éveil, je dirais même plus à un excitement de nos cellules grises. Sans plus tarder, passons à la première intervention, qui est celle de Rémi Saou. Vous êtes donc docteur en histoire grecque. Vous avez, sous la direction du professeur Pierre Frolich, soutenu une thèse en 2020 intitulée « Les modèles grecs de la guerre, violence et pratiques combattantes dans l'espace égéen entre le début du 4e et la fin du 1er siècle avant notre ère ». Cette thèse avait pour objectif de renouveler les pratiques et les expériences combattantes comme objet d'histoire. Vous avez également contribué à la revue des études anciennes avec un article intitulé « La terminologie du bouclier hoplitique ». Et c'est tout naturellement que vous nous proposez une intervention sur le combat urbain nommé « De la brèche à l'acropole, les combats urbains dans l'espace égéen de 348 à 189 avant notre ère ». En même temps ? Ah, je tiens à appuyer. Non. Là, c'est bon ? Ah, c'est parfait. Bonjour à tous. Voilà. Regardez. Si ça se met en gros. Alors, peut-être c'est juste. Ah, en bas à droite. Un peu plus à gauche. Ah, parfait. Merci. Merci. Bonjour à tous. J'en profite pour remercier les organisateurs qui m'ont invité pour parler sur un sujet très important qui va nous permettre notamment de sortir un peu du cadre très connu, trop connu, de la bataille rangée en histoire ancienne qui a été popularisée, tout le monde le sait, sinon je le rappelle, par Victor Davis Hanson et qui offre une vision très limitée, très pauvre, j'ai pas peur de le dire, du fait guerrier dans l'Antiquité et en particulier dans le monde grec. Alors, Victor Davis Hanson n'osait pas aller très loin dans son ouvrage sur la bataille d'infanterie dans l'Antiquité grecque classique. Il était quand même conscient qu'il y avait des ruptures, que le IVe siècle permettait d'entrer dans une nouvelle ère, mais il a quand même répandu l'idée, très enracinée, dans d'autres ouvrages, hein, Carnage and Culture par exemple et d'autres, que la bataille rangée était véritablement l'essence de la guerre occidentale et de la guerre grecque, que c'était l'alpha et l'oméga, et qu'une fois qu'on avait compris ça, on avait plus ou moins tout compris. C'est pas le cas. Enfin, c'est mon avis, c'est certes personnel, mais aussi partagé par d'autres savants. J'en citerai un seul ici, je citerai Hans van Wess. Mais d'autres études montrent depuis, et commencent à dessiner un consensus, que le fait guerrier ne peut pas être réduit à la bataille rangée, certainement pas. Qu'il adopte de multiples facettes qui ont évolué avec le temps. Et ne serait-ce que pour parler de la guerre en général, du polémos, les Grecs encadrent, laissent entrer dans le polémos énormément de pratiques différentes. Déjà, il faut bien considérer que si vous prenez le cas par excellence de Hanson, une armée en campagne, c'est un nuage de sauterelles. Et si elle rencontre une autre armée en campagne, ces nuages de sauterelles se rencontrent et s'entrechoquent dans des combats extrêmement fréquents et répétés entre fourrageurs qui font partie de l'histoire militaire, qui sont très importants. C'est à ce moment-là qu'on fait des prisonniers, c'est à ce moment-là qu'on récupère de l'information pour la suite de la campagne. Bref, le polémos est polymorphe et multiple pour les Grecs. Et dans ce cadre-là,
il y a aussi une place à faire au combat urbain. Même si, j'insiste là-dessus d'entrée, le combat urbain, ce n'est pas quelque chose, pour le coup, de classique. À l'inverse des embuscades qu'adorent les Grecs, les attaques surprises, ils en sont friands. Bref, tous les petits combats, ils connaissent très bien. Ce que j'appelle, moi, la guerre ordinaire. Hein. Mais le combat urbain, ce n'est pas la guerre normale. Normalement, elle se passe sur le territoire, pour la défense du territoire. Si on est ramené dans la cité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Pire, si le rempart est tombé, c'est que ça se passe vraiment très très mal. Le rempart, ou aussi, pour les cités qui ne disposaient pas encore à la fin du IVe siècle de fortifications, comme Sparte, il y avait la possibilité, hein, qui était généralement la règle, de construire une tranchée, de creuser une tranchée. C'est comme ça que les Spartiates se défendent face à Pyrrhos en 272. Donc il y a des substituts pour faire barrière et essayer de tenir l'ennemi en dehors du cœur urbain de la ville. Néanmoins, parfois, ça arrive. Quand je parle de combat urbain, donc vous l'aurez compris, c'est essentiellement de combats qui vont se déployer dans la ville. Je ne parlerai pas des combats pour les remparts, qui font partie du cadre du siège, etc. C'est pour ça qu'on parlera de ce qui se passe de la brèche à l'acropole, donc la haute ville dans l'intérieur de la cité. Pour le cadre chronologique, alors, vous voyez que par rapport au programme, j'ai gratté une année. Je suis allé en 188 parce que je voulais rajouter le siège de Samée finalement, mais ça ne change pas grand-chose. Mais j'ai choisi des dates qui sont très précises. Bien entendu, l'histoire militaire n'obéit pas à ces chronologies extrêmement limitées à une année près. Mais ça me permet de montrer quelque chose et de parler d'un phénomène qui est important. C'est l'évolution des combats urbains à l'articulation des 4e, 3e siècles. Est-ce qu'il y en a déjà? Et aussi, ça me permet de faire rentrer dans le corpus... Ah oui, c'est là, faut pas que je me trompe. Ça me permet de faire entrer dans le corpus des combats pour lesquels on a un peu de documentation archéologique. 348, c'est le siège de l'Inde, hein, par Philippe, et la prise de la ville par Philippe. Et ce siège a permis une première approche du combat urbain dans le travail de John Lee. John Lee, c'est celui, l'un des seuls, à avoir écrit véritablement sur le combat urbain, c'est-à-dire à s'être intéressé à cet aspect en tant qu'objet. Parce qu'on va le voir avec un autre sujet, hein, la participation des femmes, le combat urbain revient souvent dans les études sur la guerre grecque, notamment parce que c'est une forme de combat dans laquelle peuvent intervenir les femmes. Donc, il a été très souvent abordé par de multiples articles. En revanche, le prendre comme objet en soi, c'est quelque chose qui a été très peu fait. John Lee a offert un article sur le combat urbain lors de la prise de l'Inde à partir de matériel archéologique. Ce que vous avez ici, hein, donc les balles de fronde qui ont été retrouvées, les traces de flèches, certaines marquées au nom du roi Philippe. Et vous voyez, hein, sur les balles qui sont inscrites, certaines sont des Olynthiens, d'autres sont de... Bref, d'autres groupes, je ne vais pas en parler ici. Donc John Lee s'était concentré sur Olynthe. Et ça lui a inspiré un article de synthèse, qui est le seul article de synthèse sur le sujet, qui est assez récent, qui a une dizaine d'années, sur la guerre urbaine dans le monde grec classique. Et vous voyez qu'il laisse donc de côté la période hellénistique, qui va m'intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Avec John Lee, on mentionnera cependant aussi l'article, lui très récent, de Thierry Lucas, sur Thucydide Poliorcète, qui parle de guerre urbaine au 5e siècle, avec notamment le siège de Platée. Mais Thierry Lucas, à ce moment-là, ne cherche pas à se concentrer uniquement sur la guerre urbaine. Il essaye de remettre le problème du siège au cœur de la réflexion de Thucydide sur la guerre, qui est souvent délaissée, hein, parce que le schéma classique, c'est en gros, la guerre de siège se réduit, c'était l'ancien schéma d'Yvon Garland, la guerre de siège se réduit au 5e siècle à l'investissement, il n'y a pas autre chose. Thierry Lucas essaye de montrer que la pratique de l'assaut de vive force existe bel et bien au 5e siècle et qu'elle est importante, c'est ça le cœur de son article. Et il parle ensuite un petit peu de guerre urbaine. Bien, avec ces premiers points, on soulignera ici les sources que j'utilise principalement. Elles sont essentiellement littéraires, même si, je l'ai dit, il y a quelques sources archéologiques que je vais évoquer en passant. On n'a quand même pas grand-chose, c'est surtout les fameux textes de Diodore, Plutarque et Polybe, bien entendu pour l'époque hellénistique. Et aussi, on peut profiter de quelques enseignements. Alors, chez les Néleutacticiens, c'est un militaire du IVe siècle, c'est très pauvre. Mais chez Philon de Byzance, à la fin du IIIe siècle, on trouve pas mal de choses sur la guerre urbaine et j'essaierai d'expliquer pourquoi. Alors, juste un premier point.
quand une ville tombe dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire quand le mur est franchi. Donc généralement, on arrête l'analyse ici. On se dit que c'est terminé et dans les faits, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que quand il y a brèche, le réflexe de la plupart des défenseurs, c'est tout simplement d'entamer des négociations. Souvent, ils les ont même entamées bien avant que ça, bien avant cet événement. Mais bref, il n'est pas du tout, comme je l'ai déjà dit, usuel de se battre dans la ville. Néanmoins, cela masque quelques petites choses. Par exemple, John Lee fait remarquer que Diodore nous résume la prise d'Olynthe en 348 en une phrase, en nous disant qu'elle est tombée, hein, et il oublie tout ce qui se passe pendant cette chute. Et le matériel archéologique montre à tout le moins qu'il y a eu des affrontements, en tout cas on en retrouve des traces, beaucoup de balles de front, hein, quelques pointes de flèches qu'il a réparties ensuite sur le plan de la ville, et on voit que derrière la phrase de Diodore se cachent des combats urbains, et qu'ils donc masquent complètement leur réalité en voulant résumer à l'excès, comme sait très bien le faire Diodore. Donc ça ouvre une porte. Néanmoins, de quel combat urbain on parle? Quelle forme ça a? Ah, j'ai pas mon petit titre. C'est pas grave, j'ai dû juste mal le glisser. Alors, sans le petit titre. Quel combat urbain ça masque? Je vais insister dans un premier temps, dans une première partie, surtout sur les aspects de continuité. Déjà, comme je l'ai dit, quelque chose qui est marquant pour le combat urbain, c'est que dans cette configuration, on retrouve la participation de catégories qui sont normalement exclues de la violence martiale. Et ici, on a un texte... Ah, il est là, il apparaît après, c'est pas grave. Il y a ici un très beau texte de Philon qui le rappelle, et Philon de Byzance, à la fin du IIIe siècle, écrit là un traité militaire, donc c'est une prescription. Il faut faire ça en cas de siège, ou quand l'ennemi pénètre dans la ville. Les femmes, les enfants, tout le monde doit participer à la lutte avec énergie en combattant depuis les toits. Ça, c'est quelque chose qui a été noté par énormément de commentateurs et qui a bien sûr attiré l'attention de beaucoup de gens. Pascal Payen a écrit un article sur le sujet. Donc, c'est pas un sujet sur lequel je vais m'attarder longuement, pour la simple raison que, comme je l'ai dit, beaucoup d'études se concentrent là-dessus et que j'amènerai pas grand-chose de neuf sur le fait que, de façon métaphorique, les femmes attaquent l'ennemi avec leur propre maison, puisque leur arme principale, c'est les tuiles. On verra qu'il y a peut-être un doute là-dessus à faire grâce aux écrits de Philon de Byzance un peu plus loin. Mais néanmoins, la participation de ces personnes et de ces groupes exclus normalement de l'activité militaire, c'est le premier trait marquant. Et celui-là, le texte de Philon de Byzance le montre bien, c'est une véritable, c'est un phénomène permanent. Ça continue tout au long de la période, et je renvoie à l'article de Thierry Lucas pour le 5e siècle, hein, qui étudie la participation des femmes lors du siège de Platée. On a beaucoup d'occurrences. Et c'est quelque chose qui est remarquable parce que si on élargit un tout petit peu sur le siège, on se rend compte que normalement, dans le cadre du siège, les femmes sont quand même tenues, même quand l'ennemi est proche du rempart, à distance de l'activité martiale. D'ailleurs, le refus du combat urbain peut équivaloir à un refus de laisser les femmes combattre. Un très beau passage qui l'illustre, c'est la description par Polybe du siège d'Abydos en 200, à la toute fin du IIIe siècle. En 201, à ce moment-là, les Abydéniens sont assiégés par le roi de Macédoine, Philippe V, et la muraille tombe. Les Abydéniens essayent de négocier avec le roi. Le roi dit non. On verra sur une parenthèse très rapide sur le sort des vaincus après, mais le roi veut une capitulation sans condition. À ce moment-là, les Abydéniens entrent dans une logique de lutte totale. Ils ont compris que c'était soit l'esclavage, soit la mort. Ils n'auront pas d'autre alternative, il n'y a plus de porte ouverte pour la négociation, mais ils refusent le combat urbain. Ils décident de grouper toutes les femmes dans un lieu précis, entourées d'hommes tirés des vieilles classes de citoyens qui sont destinés à les tuer si l'ennemi arrive à mettre un pied dans la ville. Et les hommes se rassemblent sur la brèche, hein, pour livrer le dernier combat sur la brèche. Il y a une journée de combat contre les Macédoniens, c'est très violent, mais à la fin, les Macédoniens sont sur le point de l'emporter, et le lendemain, parmi les survivants, il y a des parjures. Les serments sont rompus, et finalement, certains essayent de négocier avec Philippe. Cela crée une véritable guerre civile dans Abydos, et le roi laisse les gens s'entretuer pendant quelques jours pour pouvoir faire ses affaires après. Bref, en résumé, les Abydéniens ont refusé le combat urbain, et donc de laisser les femmes participer au combat. Cet aspect-là, je le laisse de côté.
Maintenant, j'aimerais revenir sur un point qui est très important et qui doit toujours être fait pour l'histoire des pratiques combattantes, quelque chose qu'on oublie, qui avait peut-être oublié un peu de faire Victor Davy-Sanson, mais je suis taquin. C'est quelque chose qui permet de séparer le banal de l'exceptionnel, l'ordinaire de l'extraordinaire. C'est quelque chose de fondamental, c'est gratuit, hein, je vais reprendre la phrase de Paul Venn, c'est facile. L'historien doit aussi avoir le sens de la banalité. Qu'est-ce qui est commun quand une ville tombe ? Ce n'est pas le combat urbain qu'on imagine. Qu'est-ce qui se passe quand une ville tombe ? Eh bien, Tite-Live nous apporte une réponse toute faite, qui en vérité est confirmée hein, par l'analyse des textes littéraires, ce n'est vraiment pas difficile à prouver, il suffit de tourner les pages chez Polybe, chez Xénophon avant lui pour le constater. Quand une ville tombe, généralement, quand la brèche est investie, les défenseurs n'opposent aucune résistance organisée. C'est le bordel. C'est en fait la débâcle, comme dans le terrain ouvert, j'y reviendrai après. Et le travail des vainqueurs se résume à une terrible chasse à l'homme dans la ville contre des fuyards. C'est ce que nous explique Tite-Live ici. Il fait référence au siège d'Atrax, hein, où malheureusement pour les Romains, ils ont rencontré en face d'eux une phalange macédonienne, c'est pas passé. Mais le consul avait cru que ça se passerait comme d'habitude. Il avait cru, en effet, que toute la difficulté serait de faire brèche dans le mur et qu'une fois la ville ouverte aux soldats, on n'aurait qu'à massacrer des fuyards comme il arrive ordinairement dans les villes prises d'assaut. Regardez avec le latin, insolet, hein, pour il est de coutume, c'est en gros le résultat auquel on s'attend. Donc c'est ça l'ordinaire de la guerre urbaine. Ça ne veut pas dire, c'est exactement comme quand on travaille sur les débâcles, qu'il n'y a pas de combat. Simplement, il y a des combats extrêmement déséquilibrés. Et il est tout à fait possible qu'en fait, ce que cache le texte de Diodore sur Olympe, ça soit quelque chose comme ça, et pas une défense urbaine très organisée. Le résultat classique, c'est que les hommes et les femmes paniquent, et ils essayent tout simplement de sauver leur vie, et à ce moment-là, c'est chacun pour soi ou presque. On va dire que c'est chacun avec sa famille. Généralement, il y a quand même des petites solidarités qui peuvent rester en place. Mais bref, plus de résistance organisée, c'est terminé. C'est un massacre. Ok, là, on a déjà une bonne image de ce qui se passe habituellement. Et qui nous est, j'en prends un exemple, celui qui en fait clôture le petit spectre chronologique que je voulais exposer, le siège de la cité de Samé, hein, sur l'île de Kefalonia, où on voit dans le texte de Tite-Live très clairement ce qui s'est passé. Après un siège infructueux, les Romains n'arrivent pas à passer les défenses de Samé. Hein, sans doute à ce moment-là, l'essentiel des combats sont au niveau du port ici. Donc au niveau de ce que vous voyez sur l'Agora, j'ai pris une vieille carte parce que la carte récente archéologique d'Andreas Sotiriou montre très mal la topographie. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu la topographie. En gros, les combats sont dans les terrains où les travaux de siège sont les plus faciles, en contrebas visiblement. Et finalement, après plusieurs mois de siège, les Romains finissent par monter par surprise sur la Chiatis, la petite acropole que vous voyez là, parce que Samé a deux acropoles, la grosse et la petite. Et quand les Romains arrivent de nuit à pénétrer dans la Chiatis, Tite-Live nous dit très bien ce qui se passe, les habitants de Samé évacuent la ville et ils se réfugient en masse vers l'acropole. L'acropole principale, c'est en fait le point de chute de ces fuyards, c'est là où ils vont, c'est l'endroit qu'ils essayent d'atteindre, c'est le dernier refuge, c'est pour ça qu'il n'y a pas de défense organisée, parce que, à moins qu'on ait vraiment prévu qu'il y aurait combat urbain, le seul espoir, une fois que les défenses sont passées et qu'on ne s'était pas attendu à ce que ces défenses soient franchies, revient à fuir à toutes jambes vers l'acropole qui constituera le dernier refuge avec ses fortifications. Un autre petit texte, et je passe rapidement parce que sinon je vais perdre trop de temps à faire ça. Un autre petit texte qui montre très bien quel est le résultat habituel, c'est un texte de Plutarque qui nous montre ce qui s'est passé dans la cité de Pélène en 241 quand les Étoliens sont rentrés dans la ville. On voit les soldats et aussi les officiers, tout le monde, qui participent avec joie à la course au butin, qui se jettent sur les femmes et les filles qui peuvent récupérer. On notera un détail qui est très intéressant, c'est la pratique de mettre les casques sur les personnes qu'on a capturées pour les identifier après, au moment des partages et de la remise en question des prises des uns et des autres. Mais on voit aussi qu'à ce moment-là, les Grecs savaient qu'une armée vainqueur baissait sa garde. Parce que, une armée victorieuse, pardon, parce qu'elle pensait la partie gagnée. Et dans ce contexte-là, à Pélène en 241, un stratège en a profité, un Aratos, commandant de l'armée achéenne, qui attendait en fait en dehors de la ville précisément cela.
Il est rentré dans la cité au moment où les Étoliens avaient commencé le grand pillage, et le résultat, ça a été une débâcle complète des Étoliens, comme le dit très bien le texte, et la mort de peut-être 700 d'entre eux, du moins si l'on en croit Aratos, hein, il n'était pas toujours très très honnête sur le nombre de gens qu'il avait fait tuer sous son commandement. Bref, l'ordinaire, donc. Ce qui nous amène à un premier point, c'est qu'il faut absolument distinguer les combats qui sont liés à l'effondrement des défenses organisées et ceux qui intègrent la tactique défensive de la cité assaillie quand on prévoit le combat urbain. Le repli ou la débâcle vers un quartier-refuge ou à une acropole fortifiée permet aussi, et c'est pour ça que c'est pratiqué de façon systématique, une nouvelle négociation parce qu'elle brise la dynamique de la poursuite et du massacre. Donc on peut renégocier, et en vérité, beaucoup de négociations se tiennent une fois la base ville investie, quand la plupart des hommes et des femmes se sont réfugiés sur une acropole. Tout ne s'arrête pas au terme de la négociation et des échanges politiques sur le rempart. En vérité, je vais passer là-dessus, je voulais faire des petites remarque sur le sort des vaincus, mais je sais qu'il y a une communication qui s'intéresse à ce sujet demain, donc je vais passer vite. Je voulais faire une remarque toute simple. Quand on a pris une ville chez les Grecs, le résultat habituel, c'est la négociation. Et on fait preuve de clémence généralement, parce qu'on veut mettre la main sur la ville et on veut y imposer une garnison. Parfois, on a des châtiments qui sont plus durs et qui amènent la destruction de la communauté libre, réduction en esclavage de tous les habitants ou massacre des hommes libres ayant l'âge militaire. Quelque chose que je voulais noter qui est intéressant dans ces dynamiques, c'est que la réduction en esclavage est beaucoup plus fréquente que le massacre des hommes libres adultes et que l'un explique sans doute l'autre. C'est-à-dire que si dans la chute, quand on voit ces massacres d'hommes libres, en fait, généralement, il y a sans doute une reddition et le vainqueur outrepasse la rationalité économique, l'usage habituel qui est de faire un maximum d'esclaves et de prisonniers et décide de faire un châtiment exemplaire en tuant les hommes et il profite de l'espérance de vivre des gens qui se sont rendus à discrétion, sans condition, au vainqueur. Comme le dit Diodore en une phrase qui résume tout et qui est très importante et qu'on pourrait confirmer avec Thucydide, Polybe, etc., la compassion et les égards pour les vaincus chez les Grecs sont un pur effet du choix et de la volonté du vainqueur. C'est tout. C'est un vainqueur qui décide si le vaincu doit vivre ou non. Pour les défenses organisées qui m'intéressent maintenant, il y en a deux principales. Déjà, le combat rangé, que les Grecs appellent parataxis. Je dis bien combat rangé et non bataille rangée parce qu'une parataxis n'oppose pas nécessairement un grand nombre d'hommes. C'est quoi une parataxis ? C'est le fait de se mettre un groupe en face de l'autre pour se combattre ouvertement en formation. C'est ça qui est important. C'est le seul critère de définition, pas le nombre, le contexte politique, etc. Donc le mot bataille, pour nous, il serait trompeur. Pour eux, c'est une configuration militaire. Des combats rangés, on en connaît dans des espaces libres dans les villes, je vais en montrer quelques-uns après. Et il y a aussi les fameux combats de rue. Pour les parataxis, je rappelle ici, j'explique ici, une dynamique qui est très importante. Toujours la même chose, il faut dans les pratiques militaires distinguer l'ordinaire et l'extraordinaire. Quand on regarde les combats rangés des Grecs, et surtout qu'on ne fait pas comme Hansen, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un florilège, une collection, qu'on regarde comment il se passe la plupart du temps, on peut faire des statistiques parce que les Grecs ont un vocabulaire génial, très précis. C'est un langage de soldat. Il est très clair, pas du tout obscur, et on comprend très bien ce qui se passe. Sur les combats hoplitiques au IVe siècle, on apprend que sur les 51 combats qui ont été recensés par Thucydide et Xénophon, dans la plupart des cas, vous voyez, 73% des cas, quel est le résultat ? Un groupe attaque, charge, l'autre groupe ne reçoit pas la charge, ou alors sa formation se désintègre au moment du choc. C'est le résultat le plus fréquent, c'est banal pour les Grecs et c'est normal. Je vous ai mis un texte en dessous pour illustrer ça, mais en gros, ces formules-là, vous les retrouvez très souvent. Elles sont vraiment pas dures à trouver et le texte est très clair. Ici, vous voyez un groupe qui s'enfuit sans attendre le corps à corps. Ça, c'est quelque chose de normal pour les Grecs. Et il faut rappeler avec insistance, bien sûr, ça n'empêche pas des combats où on se rencontre d'exister. À l'époque hellénistique, je passe très brièvement, mais grosso modo, ça bouge pas tant que ça, même si les phalanges macédoniennes sont beaucoup plus résilientes que leurs ancêtres de l'époque classique. Des combats rangés, donc, on en a dans des villes, notamment à Hégaïra en 219.
sur, il se serait tenu sur l'acropole selon un texte de Polype que je vais montrer juste avant. Alors, je suis passé sur cette acropole, hein, j'ai essayé de me creuser la tête pour savoir où était le combat que décrivait Polype, c'est pas facile, c'est probablement... Quelque part là, en dessous, juste de l'acropole, parce que là vous avez une belle pente. Mais visiblement, sur l'acropole, ou à proximité, s'est tenu un combat rangé, que Polype décrit de façon très claire. Ici, et je résume en une phrase le combat, ici, à Hiéra, en 219, on s'est battu frontalement pendant longtemps au corps à corps. Polype insiste beaucoup dessus, c'est l'une des plus longues descriptions polybiennes de combat qui se trouve dans ses livres. Il insiste beaucoup là-dessus. On s'est battu de façon acharnée pendant un temps avant que les Étoliens s'enfuient. À Hiéra, les défenseurs sont les habitants de la cité, les Étoliens les assaillants. Les Étoliens se sont enfuis, les défenseurs les ont massacrés dans leur déroute, comme c'est habituel. Bien. On voit déjà une première chose se dessiner. Si on prend d'autres parataxéis, on n'en a pas beaucoup, c'est très rare. Dans des, par exemple, un combat rangé près du théâtre lors du siège de Rhodes, ou un siècle plus tard, un combat rangé sur une agora entre les défenseurs et les Romains, dans les deux cas, on apprend par les textes de Diodore et de Tite-Live qu'il y a eu aussi un combat frontal au corps à corps prolongé. Donc il se dessine quelque chose qui différencie ces combats rangés de la guerre urbaine des combats qui se passent à l'extérieur de la cité. Bien sûr, on pense tout de suite aux affects. On se dit, c'est la guerre urbaine, donc là, on est sous le regard des familles, il va falloir se battre. Hein, comme disait Ardan Dupic, il n'y aura pas d'espace là pour les appeler et leur permettre de se barrer. Donc il y a ça, et il y a en fait autre chose qu'il faut considérer de purement militaire. Dans ces combats-là, en vérité, les hommes sont rangés sur une grande profondeur, parce que les espaces sont étroits. Or, c'est précisément la profondeur pour les Grecs qui fait qu'une formation a des chances de parvenir au contact et de livrer un combat au corps à corps prolongé, frontalement parlant. Parce qu'après, hein, pendant la déroute, il y a des combats très violents. Mais c'est la profondeur qui permet ça. Et en vérité, la guerre urbaine, à part sa configuration elle-même, par l'étroitesse des places, permet cela, permet de se ranger sur une grande profondeur sans avoir à soucier de ce qui se passe sur les côtés. Il y a un beau texte aussi de Diodore que j'ai pas mis qui parle d'un combat dans un stade à Syracuse qui a, et Diodore le dit très clairement, hein, par la configuration du lieu, protégé les flancs des deux combattants, et donc ils n'avaient plus qu'à foncer dans le tas et tout droit, sans soucier de ce qui se passait sur les côtés, et surtout en étant rangés sur une grande profondeur. Autre point de ces parataxéis urbaines, très rapidement, dans les deux cas, on apprend que les vaincus sont capturés en masse. Ça aussi, c'est pas normal. Dans les parataxéis à l'extérieur, on ne fait des prisonniers que lors des dernières phases de la déroute, mais c'est ce que j'ai essayé de démontrer ailleurs. Dans les premières phases, on tue, et en masse, beaucoup. Ici, on a des prisonniers en grand nombre. Tout simplement, je pense, parce que se retrouvant enveloppés, dans le contexte urbain, il n'y a pas de possibilité de fuite, ou du moins, celles-ci sont très sérieusement compromises, notamment face à cause des phénomènes de congestion. S'il y a une panique et qu'on essaye de se barrer par une petite ruelle étroite, ça va poser des problèmes. Donc, l'option, là, la seule option qui reste aux défenseurs, plutôt qu'essayer de courir, c'est de se rendre. Et c'est pour ça qu'on aurait des contingents de prisonniers importants. J'avance vite. Je suis en retard. Je suis à combien ? Parce que j'ai oublié de lancer mon chrono. Encore 5 minutes. Ah, 5 minutes, c'est parfait. Je suis en retard. Autre point. Le combat urbain au temps des Diadoques. Quelque chose que je voulais montrer, c'était si, au-delà de ces continuités que je viens d'exposer, on pouvait repérer des évolutions. Alors, je vais passer rapidement sur les premiers éléments que nous amène Aristote. Je triche un peu, Aristote, c'est un peu avant les Diadoques, mais en gros, ces enseignements nous servent principalement, vont nous servir principalement pour étudier cette période précisément. Dans la politique, il fait plusieurs observations, Aristote, sur le combat urbain. Il, déjà, parle de la disposition des maisons. Ah, si, c'est bon, c'est revenu. Il parle de la disposition des maisons, du fait que les plans dit hippodamien, c'est-à-dire les plans réguliers, qui s'imposent de plus en plus lentement dans le paysage architectural, sont moins favorables à la défense que les plans de ville irréguliers. Tout simplement parce qu'avec des rues très droites, hein, c'est beaucoup plus facile de circuler. Et il recommande donc de faire en sorte de combiner les deux. Ceci peut-être explique certaines évolutions urbaines où on voit des quartiers qui sont transformés dans certaines villes, comme à Prienne, selon un plan hippodamien irrégulier, mais de manière, fragmentée. Ils ne font pas
de révolution urbaine d'ensemble. Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais il y a peut-être, dans l'idée d'avancer progressivement et par étapes, la volonté de préserver aussi des espaces de défense et donc de ne pas cramer toutes ces possibilités d'un coup en réformant la ville de manière trop importante. Ça, c'est le premier enseignement, et il est démontré lors du siège de Perrinthe hein, qu'un plan non régulier est très pratique pour la défense. Je passe ça, c'est le plan hippodamien, hein, très régulier, passons, pour arriver à quelque chose de plus intéressant. Sur le plan politique, Aristote nous apprend que dans le combat urbain, et spécifiquement là, les psyloi, c'est-à-dire les hommes qui sont légèrement armés et qui ont des armes de jet, sont particulièrement redoutables. Ils ne le sont pas, malgré l'avis de Ruel Konainandaik sur le sujet, ils ne le sont pas tant que ça dans les combats ouverts. Non pas que les armes de jet ne sont pas redoutables, mais les Grecs n'en font pas une utilisation massive et très efficace en dehors des villes. En revanche, dans les villes, c'est le cas. Ils sont redoutables et ils ont, surtout, ils constituent le support principal, selon Aristote, des factions démocratiques qui auraient tendance à s'imposer dans les cités qui sont de plus en plus peuplées. Est-ce que c'est une remarque qui ne serait pas utile pour comprendre certaines évolutions politiques de la fin du IVe siècle ? On sait qu'à cette période, les régimes démocratiques gagnent en nombre. Ils sont de plus en plus nombreux, au point que, à l'issue de la période des diadoques, la démocratie devient une norme dans le paysage politique des cités grecques. Est-ce que cette dynamique n'aurait pas joué quelque part ? Peut-être. En tout cas, il faut rappeler que l'établissement d'un régime démocratique par une faction démocratique peut être présenté comme le résultat d'un rapport de force. Je renverrai par exemple ici aux remarques que fait Laurent Capdeautré hein, dans son ouvrage récent sur le cas de Prienne notamment, hein, et il y a quelques autres cas aussi. Bref, on sait que des démocraties ou des démocraties ont été établies ou rétablies après des guerres civiles et donc l'intervention de la force. Le fait que les psyloi puissent peser dans les combats urbains et que les cités aient gagné en puissance démographique dans le courant du IVe siècle pourrait participer de cette explication. En revanche, gros avertissement, je ne prétends pas là apporter une clé de lecture qui résout le problème et surtout pas quelque chose qui remplace, qui permettrait de s'appliquer partout. Le schéma peut peut-être s'appliquer quelque part. En tout cas, on apprend par Diodore que face aux garnisons des diadoques, il y a eu des soulèvements à l'articulation des 4e, 3e siècles, et des soulèvements qui ont mis en péril le pouvoir des très puissants. Il est possible que les diadoques, comme ailleurs ici, ne fassent que suivre l'évolution des rapports de force et qu'en choisissant de soutenir par des démocraties, c'est bien connu, ils ne le font pas par idéologie, ils le font par pragmatisme. Il est donc possible que ces régimes démocratiques aient été, leur établissement est paru logique à certains diadoques parce que, visiblement, dans certains espaces, les rapports de force, à ce moment-là, penchaient en faveur des masses populaires, du point de vue martial. C'est un enseignement d'Aristote, et cet enseignement, il vaut la peine d'être conservé, puisque des soulèvements contre des garnisons, on en retrouve après dans les cités hellénistiques, et par exemple, on a deux cas ici qui sont bien développés par Polybe et je ne m'y arrête pas plus longuement. Autre chose, cette importance prise par la guerre urbaine au moment des guerres des diadoques, parce qu'il y a avec l'intervention des diadoques sur le terrain, les combats contre les villes sont de plus en plus fréquents et récurrents. Cette importance prise par la guerre urbaine explique peut-être que chez Philon, à l'inverse d'Énée le tacticien, on trouve beaucoup plus d'éléments sur le combat urbain. Énée le tacticien est très discret sur le sujet, il se concentre à mort sur ce qui se passe sur le rempart ou au-delà, mais pas dans la ville. Philon, lui, il y accorde de l'importance. Donc c'est peut-être lié, l'évolution des mentalités est peut-être liée à ce problème. En tout cas, on constate chez Philon que les travaux et les entreprises de préparation, donc pour une défense organisée, sont plus aboutis, et je terminerai juste avec ces petits exemples. On voit déjà qu'il prévoit de créer des maisons forteresses au niveau des brèches, au niveau des croisements des rues. Il prévoit aussi d'installer des catapultes. Hein, Litobol, c'est lance-pierre, hein, et catapulte trois spitam, c'est les oxybelles avec les grandes flèches. Il prévoit d'installer des catapultes dans les avenues. Donc il y a une véritable mise en œuvre du combat urbain qui n'existait pas auparavant, qui profite d'ailleurs des nouveaux matériels de l'époque hellénistique. Et en plus de ça, il prévoit même que si l'ennemi pénètre dans la ville,
Les aménagements qu'il a prévus peuvent servir à constituer de véritables forteresses par quartier, parce qu'il recommande, hein, dans le passage précédent, par exemple, de fermer par des portes les extrémités des avenues. En fermant les extrémités des avenues, on crée un quartier forteresse dans lequel on peut se réfugier et combattre. Donc il y a, une évolution, visiblement dans le traité militaire, à prendre avec prudence, parce qu'on n'a pas tous les écrits d'Énée ni du IVe siècle. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des précurseurs. En tout cas, ça paraît beaucoup plus abouti en cette réflexion au IIIe siècle. Et je vais m'arrêter là parce que je suis trop long. Donc je ne ferai pas de petite conclusion. C'était très bien. On a encore du temps. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. C'est très bien. Parfait, merci beaucoup pour cette intervention, docteur Saou. Je vous propose désormais une toute autre analyse, puisque nous changeons de sujet et d'époque. Et nous allons passer à la deuxième intervention tout de suite, juste une mise en place technique juste avant. Je vais carrément l'ouvrir comme ça en fait. Tu passes, normalement tu défiles. Très bien, donc on va pouvoir enfin passer à la seconde intervention. Céline Fournier, vous êtes masterante en histoire de l'art à l'école pratique des hautes études. Vous êtes l'élève de Madame Dorgex, que nous avons eu plaisir d'entendre ce matin. Votre sujet de mémoire s'intitule « Les aménagements architecturaux des officiers de la marine sur le territoire rochefortais de la ville à la campagne 1700-1795 ». Vous menez d'ailleurs ce mémoire en partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Vous avez choisi aujourd'hui de nous proposer le sujet suivant, les officiers de la Royale 17e-18e siècle et leurs inventaires après décès, une source pour l'histoire de la polyurcétique. Oui, je tiens à remercier tout d'abord l'équipe du GER Jeunes Chercheurs d'avoir sollicité une intervention de ma part, bien que mon sujet de master ne soit pas directement lié aux questions de guerre, d'espace et de représentation. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de mon mémoire de master recherche qui porte donc effectivement sur les aménagements architecturaux et paysagers des officiers de la marine sur le territoire rochefortais entre 1700 et 1795. Ce mémoire s'inscrit en histoire de l'architecture et du territoire à l'époque moderne. Son ambition est donc de recenser les différentes typologies de logements des officiers de la marine employés à l'arsenal de Rochefort, afin de comprendre, enrichir et compléter les études patrimoniales existantes sur l'habitat privé à l'époque moderne. Cette enquête m'a notamment conduit à m'interroger sur la culture militaire de ces officiers de la marine concernant l'art urbain, la polyurcétique et de manière plus générale leur conception de l'architecture militaire et de l'art du siège. Ces officiers de marine, résidant dans une ville forte récemment construite, souvent envoyés en mission à l'étranger dans des territoires en guerre, avaient reçu des types de formations militaires très diverses et avaient été, depuis 1691, réunis avec les ingénieurs de terre dans le département des fortifications. Quelles étaient leurs connaissances, leurs lectures ? Que nous apprennent leurs connaissances sur l'art de la guerre et sur l'art du siège ? Bien que cet axe de recherche ne soit pas directement lié à mon sujet de master, il me semble qu'il est possible de nourrir les réflexions sur le sujet grâce à l'étude des inventaires après décès. L'intervention que je propose aujourd'hui est donc à l'articulation de ces deux questionnements. D'une part, que nous imprègne l'étude des inventaires après décès sur les savoirs militaires et scientifiques polyurcétiques des officiers de la marine, et d'autre part, que peut-on saisir de leur manière de penser la guerre et le territoire en cas de siège. Suite à un rapide état de la question, j'articulerai mon intervention en deux parties.
Dans la première partie, j'aborderai la figure du marquis de la Galissonnière, officier d'épée à Rochefort, à la lumière de son inventaire, effectué dans son hôtel rochefortais. Source inédite, elle concerne également l'unique officier pour lequel j'ai trouvé un inventaire après décès, qui précise l'intégralité des ouvrages de sa bibliothèque. Dans la seconde partie, j'approfondirai l'étude de cette source en présentant deux ouvrages de sa bibliothèque. Le premier est un ouvrage religieux intitulé « Les figures de la Bible », relecture des grands personnages de la Bible qui connaît un fort renouvellement au XVIe siècle. Il s'agira ici d'éclairer les relations entre images et textes et de saisir l'importance de l'image comme source pour les savoirs polyurcétiques et militaires. Le second est un ouvrage d'histoire antique de Polybe intitulé « Les histoires ». Ouvrage de référence en termes de stratégie militaire antique, l'édition illustrée possédée par la Galissonnière me semble particulièrement pertinente pour analyser le rôle de l'image dans l'éducation militaire. La question de la représentation du territoire offre à ce titre un angle novateur d'interprétation en parallèle d'un texte bien connu. Avant d'aborder ces deux études de cas, il convient cependant de revenir rapidement sur un état de l'art de mon sujet. En premier lieu, il faut souligner que l'historiographie relative aux savoirs et aux pratiques des officiers de la marine au XVIIIe siècle reste encore lacunaire. Malgré l'importance des travaux de Michel Verger-Franceschi, d'Amandine Lefrançois ou de Patrick Genstoffer sur la formation des officiers d'épée dans les compagnies des gardes marines, l'étude de leur formation reste lacunaire. Les écoles des différentes compagnies des gardes marines, réservées aux nobles ou anoblis sur recommandation, abordent pendant 3 ans les mathématiques, l'arithmétique, le dessin, l'écriture, ainsi que la lecture des cartes et des plans. Le volet pratique de la formation est bien inclus lors de la dernière année par l'apprentissage des manœuvres, de la construction navale et des procédures d'embarquement. Si les matières enseignées sont communes aux 3 compagnies, le contenu des cours diffère, laissant entrevoir des disparités entre les différentes institutions présentes dans les arsenaux, éléments mis en avant dans la thèse de Liliane Alfonsi sur l'enseignement scientifique et technique au XVIIIe siècle dans les écoles des gardes marines à travers les écrits d'Étienne Bézout, qui était un professeur de mathématiques. Afin de conforter les connaissances, il conviendrait ainsi de s'intéresser aux savoirs et pratiques des officiers à la fin de leur carrière, notamment en dépouillant les inventaires après décès des notaires rochefortais. En second lieu, il est important d'exploiter l'étude des inventaires après décès dans celle de l'analyse de leur champ de connaissances. Premièrement, les travaux prosopographiques d'Anne Blanchard offrent tout à la fois une histoire de l'ingénieur à l'époque moderne, ainsi qu'un recensement des inventaires après décès existants. Conjointement, les travaux d'Émilie Dorgex ont mis en lumière la diversité des productions de l'ingénieur et l'importance de l'ordre matériel des savoirs. Les saisies militaires, les carnets de voyage, ainsi que les inventaires des papiers personnels sont tout autant de sources qui qualifient de manière précise leur savoir et méthode de travail. Par ailleurs, il convient également de mentionner l'approche par les bibliothèques savantes, développée par Emmanuel Chaperon, spécialiste de l'histoire des bibliothèques, des pratiques savantes et du livre d'éducation à l'époque moderne en France et en Italie. De surcroît, les bibliothèques d'architecture, mêlant curiosité et intérêt pour l'architecture, soumettent un nouveau champ d'études dans la qualification des cabinets de ces agents techniques du roi au XVIIIe siècle. Ainsi, Rita Fabry et Pete Lombard proposent dans l'ouvrage d'Olga Medvedkova, Bibliothèque d'architecture, Architectural Libraries, publié en 2009, une analyse précise fondée sur l'étude des inventaires du livre d'architecture dans les bibliothèques des jésuites à Anvers au XVIIe et XVIIIe siècle. Ici, l'acquisition d'ouvrages d'architecture et d'architectes, à la fois antiques et modernes, permet de mieux cerner les savoirs et intérêts de leurs propriétaires. Enfin, en troisième lieu, il convient de définir brièvement la notion de polyurcétique à l'époque moderne. En effet, si ce terme trouve ses fondements dans l'analyse des batailles antiques, les nombreuses guerres de l'époque moderne, particulièrement au XVIIe siècle, renouvellent la notion de polyurcétique. L'art du siège se transforme au XVIIe, notamment grâce à sa réduction en art par Vauban, qui instaure la pratique du siège réglée en 12 phases. Ce sont les politiques dites de la ceinture de fer, qui désignent le réseau de fortifications, ainsi que du précaré, qui rationalise le système défensif, qui vont contribuer à renouveler l'art antique de la polyurcétique.
en développant leur conception de la polyurcétique par la mise en place d'un réseau défensif, les ingénieurs du roi amorcent un tournant scientifique et technique de l'art du siège. De nombreuses publications portent sur ce renouvellement, telles que la guerre des sièges à l'époque de la Révolution et la guerre des sièges de l'Antiquité au temps moderne. Ce rapide retour historiographique illustre la complexité d'aborder la question de la polyurcétique en se fondant sur l'étude des ingénieurs de la marine. Plus modestement, l'ambition de ma présentation, aujourd'hui, sera d'illustrer comment l'étude des inventaires après décès, compris dans leur totalité et non pas en se centrant uniquement sur les ouvrages liés à l'art de la guerre, permet de saisir des ouvrages d'autres champs disciplinaires qui ont nourri leur culture militaire. Ma première partie porte sur la figure de Michel Barrin, marquis de la Galissonnière. Officier d'épée dans la Royale, il est né en 1646 à Nantes, dans une famille d'intendants de la police. Il débute sa carrière militaire dans la 2e compagnie des Mousquetaires Gris, avant de s'engager dans les gardes marines, école d'officiers de la marine à Brest en 1662. La Galissonnière est par la suite successivement, nommée enseigne de vaisseau en 1667, lieutenant en 1671, puis capitaine en 1677, toujours au port de Brest. C'est après ses hauts faits d'armes aux batailles de Beauvaisis et de la Hougue qu'il est promu commandant de la marine à Rochefort en 1694 et qu'il reçoit également le grade de chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis. En 1694, il occupe donc la gestion du port de Rochefort et choisit de s'y installer avec son épouse Catherine Bégon, fille de l'intendant Michel Bégon. Lorsqu'il prend sa retraite, en 1720, il est nommé lieutenant général des armées navales. De fait, l'inventaire que je vais vous présenter est réalisé en 1713, lorsque sa femme est décédée depuis 5 ans et qu'il songe à quitter Rochefort. Avant son décès, la Galissonnière logeait au sud de Rochefort, dans un hôtel particulier dont on peut encore aujourd'hui deviner certains éléments architecturaux. L'inventaire de ses biens est dressé le 3 avril 1713 par le notaire Jacques Bréard à Rochefort et permet d'une part de reconstituer les intérieurs de sa maison et d'autre part de restituer le contenu de sa bibliothèque. Le notaire Bréard révèle un total de 155 ouvrages, estimés à 648 livres par, je cite, un marchand libraire en cette ville. Je propose de classer le contenu de cette bibliothèque en plusieurs catégories. La première, majoritaire, concerne les ouvrages religieux. La seconde, les traités antiques. Et enfin la troisième, les livres d'instruction. Dans cette communication, je me centrerai uniquement sur deux ouvrages. Le premier est un recueil illustré de l'Ancien et du Nouveau Testament, publié en 1708, qui comprend de nombreuses représentations du territoire. Intitulé « Les figures de la Bible », il comprend de nombreuses illustrations signées par le peintre et dessinateur Jean Cotel, plus connu sous le nom de Jean Cotel II. Membre de l'Académie royale de la peinture et de la sculpture, il est notamment connu pour ses peintures des bosquets des jardins de Versailles, réalisées entre 1688 et 1690. Le second est un exemplaire des histoires de Polybe, nouvellement traduite du grec par Don Vincent Tullier, avec un commentaire ou encore de sciences militaires enrichies de notes critiques et historiques par le chevalier de Follard, publié en 6 volumes de 1729 à 1730, texte auquel sont jointes des gravures illustrant les batailles. Il est intéressant de souligner que, dans les deux cas, la mise en image du texte permet d'explorer la mise en place d'une culture littéraire militaire. Les figures de la Bible sont liées à la vague de publications de l'Ancien et du Nouveau Testament profondément ancrées dans le texte de la Contre-Réforme après la révocation de l'Édit de Nantes en 1685. Ces ouvrages se présentent sous la forme d'un recueil de planches accompagnées de légendes. L'inventaire après décès ne mentionne ni l'édition possédée ni sa date de publication. De fait, le marquis de la Galissonnière pouvait posséder deux exemplaires différents. La première édition qui circule en France est intitulée « Figures de la Sainte Bible » accompagnée de brefs discours, contenant la plus grande partie des histoires sacrées du Vieil et Nouveau Testament, publiées en 1614, que vous pouvez apercevoir ci-contre. La seconde édition est illustrée par Jean Cotel et publiée entre 1686 et 1708. Juste là.
Comment cet ouvrage peut-il nourrir la compréhension de la culture militaire de la Galissonnière ? Dans le cadre de cette intervention, j'ai sélectionné les quatre planches figurant l'histoire de Josué. La première représente la prise de la ville de Jéricho. La seconde, celle de la ville d'Aï. Et la troisième, le siège de la ville de Gabaon. Et la dernière, la fin du siège. L'analyse de ces illustrations me permet de mettre en lumière deux traits saillants. En premier lieu, architecture et topographie occupent une place importante sur les planches. Le détail de la montagne située à l'arrière-plan de tous les sièges renvoie à une réalité topographique précisée dans l'Exode et le livre de Josué. Les villes prises en siège sont en effet situées en Palestine, sur un territoire montagneux. Le nom des villes figurées font encore débat chez les historiens et archéologues. Elles sont toutes les trois situées autour de Jérusalem, sur la rive gauche du Jourdain. Jéricho est située à l'ouest de Jérusalem, Aï également, identifiée par le site archéologique d'Et Tel. Enfin, Gabaon, comme le site archéologique de Gibéon, à 8 km au nord de Jérusalem. Le choix de posséder un ouvrage qui illustre aussi bien la topographie du territoire que l'architecture témoigne de l'intérêt pour ces deux domaines. En second lieu, l'art du siège est omniprésent sur les planches. La première scène représente la fin du siège de Jéricho. On voit les fortifications qui se sont déjà écroulées et qui sont en feu. Sur cette gravure, le pouvoir militaire est représenté par l'important effectif d'hommes autour de la forteresse, ainsi que par la représentation du général au premier plan. En outre, la situation de siège est symbolisée, dans les quatre planches, par des incendies ainsi que les nuages qu'ils engendrent. Il s'agit bien ici d'une scène de guerre, et plus précisément de l'attaque d'une ville. Cette rapide analyse permet de saisir la forte relation entre image et pouvoir militaire et la préséance de cette édition dans l'illustration sur le texte. En effet, le seul accompagnement de ces planches est une courte légende en latin et en français. En outre, la mise en page de l'ouvrage, dont les versos sont laissés en blanc, permet de clairement séparer chaque gravure. L'exemple des figures de la Bible n'est pas unique dans la bibliothèque de la Galissonnière. Une autre typologie d'ouvrage, celui des histoires antiques, permet de compléter cette lecture alternative de l'usage de la bibliothèque par le marquis. La bibliothèque de l'officier de la Galissonnière comporte en effet également 25 éditions d'auteurs antiques. Ces références sont importantes dans notre brève analyse, car elles permettent de saisir une manière de penser la guerre. L'ouvrage par des officiers de la marine fait partie de la culture moyenne des officiers de l'Ancien Régime. De fait, ce sont des militaires qui, par extension, développent une culture de la polyarcétique à travers les différentes représentations du territoire. Ainsi, les auteurs antiques tels que Vitruve placent l'architecture comme un art libéral, soit comme une discipline intellectuelle dont la connaissance est réputée indispensable pour l'acquisition d'une haute culture. Ainsi, comme l'écrit Vitruve, le fait d'associer à sa définition de l'architecture un discours selon l'usage, le tout formant un ensemble de connaissances générales, correspond à la démarche des officiers de la marine en poste à Rochefort. La Galissonnière possède d'ailleurs une édition du De Architectura de Vitruve. En outre, la Galissonnière possède également dans sa bibliothèque un exemplaire de Polype, en grec et latin, un volume in folio. Polype, dont a parlé Rémi Saou il y a quelques minutes, expose de manière précise les méthodes de bataille et stratégies militaires élaborées sur le terrain. L'exemplaire de la Galissonnière est donc intitulé « Les histoires de Polype », nouvellement traduite du grec par Don Vincent Tullier, avec un commentaire ou un corps de science militaire enrichi de notes critiques et historiques par le chevalier de Follard. Cette édition est tout à fait intéressante dans le cadre de cette communication, car elle propose à la fois des représentations de scènes de bataille ainsi que des commentaires associés. Prenons cet exemple. Cette gravure de situation de siège est représentée à vol d'oiseau par Albert de Putter qui l'a gravée. Les fortifications en Bastion et Redan sont représentées en vue de haut afin d'illustrer tant l'intérieur de la ville assiégée que le mouvement des troupes. En outre, la légende mentionne « camp de demain », ordre sur lequel l'auteur aura proposé de combattre. Le choix de représenter la mise en place des manœuvres de siège en positionnant les troupes sur le territoire démontre une volonté d'illustrer cette stratégie en images.
aussi, ici, représenter une éventualité sans pour autant que le siège se réalise, propose un ensemble de stratégies militaires. Ainsi, l'image supplante la description pour une meilleure visualisation par le lecteur de la scène. À cet égard, de nombreux recueils des figures de l'histoire de Polybe sont également publiés au XVIIIe siècle. Tout comme le genre littéraire des figures de la Bible présenté précédemment, certains éditeurs vont publier un ensemble d'images renvoyant un épisode ou un thème de l'histoire de Polybe. Parmi elles, nous pouvons relever les images suivantes qui évoquent des situations de siège. Le blocus et bataille d'Agrigenté, le blocus de Platée et enfin le blocus de Numance. À partir des questions énoncées plus haut, au début de la communication, d'une part, que nous apprend l'étude des inventaires après décès sur les savoirs militaires et scientifiques polyurcétiques des officiers de la marine, et d'autre part, que peut-on saisir de leur manière de penser la guerre et le territoire en cas de siège ? Je réponds qu'analyser ces deux ouvrages, de l'inventaire après décès de Michel Barin, marquis de la Galissonnière, permet de proposer une lecture alternative et plus englobante des inventaires après décès conservés. En premier lieu, la redécouverte de son inventaire permet de mieux comprendre l'étendue des savoirs et pratiques polyurcétiques. En second lieu, il convient également de s'intéresser à toutes les typologies d'ouvrages, car non seulement les officiers possédaient peu d'ouvrages proprement consacrés à l'art de la guerre, mais également que la majorité des ouvrages étaient étendus à d'autres champs disciplinaires, tels que la religion ou l'histoire antique. Ainsi, en menant une enquête plus large à partir des inventaires après décès des officiers de la marine à l'échelle d'autres arsenaux, il nous serait possible d'envisager plus largement leur savoir et pratiques de travail à la manière de celle des ingénieurs. Il nous permettrait d'envisager certains ouvrages sous un angle d'analyse nouveau, celui de la constitution d'un patrimoine littéraire militaire. En troisième lieu, il est important d'envisager les études des inventaires après décès de manière décloisonnée, en prenant en compte tant les textes que l'illustration. Ainsi, l'analyse des planches témoigne d'un savoir de l'art de la représentation du territoire entretenu par les officiers de la marine en poste à Rochefort dans la première moitié du XVIIIe siècle. En outre, cet inventaire a contribué aussi bien à qualifier qu'à quantifier ces savoirs et ces pratiques. Je dirais qu'avoir accès à cette liste d'ouvrages en fin de carrière d'un officier révèle l'horizon de ses savoirs à la fin de sa vie. Écoutez, merci beaucoup. Alors, pour des raisons tout à fait pratiques, nous allons quand même balancer les questions maintenant. Comme ça, vous n'aurez pas à les retenir pendant combo du café. Est-ce que, pour commencer, il y aurait des questions sur ces deux interventions? Est-ce qu'il y a le micro dans la salle ou est-ce que... Sierra, tu peux parler, je pense que... Quelqu'un a le micro ou pas? Est-ce qu'il arrive? Rien, il va y arriver. Ok. Il y a deux questions devant. Trois questions devant. Il y a Samuel. Ouais, c'est très compliqué. Merci. Bonjour à Monsieur Saou et Madame Fournier. Merci pour vos deux interventions très instructives. J'aurais une question pour chacun des intervenants et intervenantes. Tout d'abord, Monsieur Saou, est-ce qu'il y a des influences orientales sur la manière du combat urbain tel qu'il est pratiqué dans la Grèce durant la période que vous avez mentionnée? Parce que dans les récits de bataille que vous décrivez, ça rappelle par exemple certains récits qui sont faits par exemple de la prise de Babylone par Cyrus le 17 octobre 539 avant notre ère, qui mit fin à l'empire babylonien. Et aussi, étant donné dans le cadre hellénistique, vu que du coup le monde grec, il était déjà ouvert sur les autres influences, mais il va faire partie d'un même espace politique commun, du moins du temps d'Alexandre et des Diadoques, ça va intégrer d'autres pratiques guerrières, d'autres cultures guerrières, comme de Perse, égyptienne, de Bactriane, etc. Et question pour Madame Fournier. Est-ce que, mis à part des références gréco-romaines, est-ce que
il y a eu d'autres dans les inventaires après décès. Est-ce qu'il y a des auteurs venant d'autres aires culturelles qui ont pu être retrouvés? Merci. On va faire dans l'ordre. Alors, pour répondre à votre question, je ne pense pas. Notamment parce que ici, je me suis concentré sur l'espace égéen, des cas qui ont. Enfin, de la guerre dans l'espace égéen. Et très clairement, par exemple, on avait voulu voir au 5e siècle, pendant longtemps, l'apprentissage de la guerre de siège comme une imitation de ce que faisaient les Perses, etc., et les Achéménides et leurs prédécesseurs. Visiblement, non, c'est pas non plus une imitation au 5e siècle. Enfin, le phénomène se développe à l'intérieur de l'espace égéen. Bien entendu, ils regardent ce qui se passe à l'extérieur, ils en sont conscients. Mais tout ça se fait de manière plus ou moins simultanée. On peut pas dire qu'il y en ait vraiment un qui influence l'autre, surtout sur la guerre urbaine, où ils vont, comment dire, faire des initiatives qui sont très pragmatiques, qui sont liées à leur contexte urbain, celui qu'ils connaissent. Donc en gros, ils vont créer et inventer et adapter leurs pratiques par rapport à leur contexte local avant tout. Donc je pense qu'elles vont, s'il y en a, elles sont limitées. En tout cas, on ne peut pas les voir. Voilà. Merci pour cette question. Et en consultant à nouveau, histoire d'être certaine de ma réponse, l'inventaire après décès, je n'ai pas d'autres références. C'est grec, romain, et après, ça reste très occidentalisé au niveau des références. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, devant, il me semble. Oui. Trois petites questions pour M. Saou. D'abord, et puis une question pour Mme Fournier. Vous avez évoqué donc ces sièges. Est-ce qu'on a des sources qui évoquent des étapes de la négociation, quelque chose qui pourrait ressembler à des traités de capitulation? Et vous avez dit aussi qu'il y avait des traitements différenciés. L'esclavage fréquent, les exécutions parfois. Si on prend les exemples du Moyen-Âge, on a aussi des traitements très différents selon que les défenseurs ont, opposé une résistance acharnée ou non, qui peut d'ailleurs être reçue de manière elle aussi très différente, donc on se venge et on massacre. Ou alors on salue le courage des assiégés. Donc voilà, donc ça c'est une question qui s'étend sur ce plan-là aussi. J'en avais une deuxième sur les estimations des effectifs. Donc vous avez donné tout à l'heure des chiffres. Donc on se pose beaucoup de questions pour les chiffres avancés par les chroniqueurs en matière de bataille, mais pas seulement. Donc je ne sais pas si c'est aussi un sujet chez les antiquisants. Et ma troisième et dernière question est celle de savoir, et là c'est vraiment une question de béotienne, je pense qu'on a quand même deux grands systèmes défensifs, horizontal, vertical. Est-ce qu'on est capable de dire en Grèce que, je ne sais pas, pour l'essentiel, c'est plutôt un système défensif vertical, puisque vous avez parlé du contre-modèle spartiate. Voilà, ça c'était juste en termes de proportion, mais je ne sais pas si elle est facile à établir, cette proportion. Alors, je commence par la dernière question, comme ça, ça va être, parce qu'elle est simple à répondre. À la période qui nous intéressait là aujourd'hui, donc à la fin du 4e siècle, la plupart des cités ont bel et bien une belle enceinte, et même des fois des enceintes qui sont aux dernières pointes de la technologie. Hein, donc c'est quelque chose de très fréquent. Sparte est quand même un cas à part, même si on connaît quelques autres cités qui ont tardé à avoir des enceintes complètes. Euromos, par exemple, ça a visiblement, d'après les travaux de Baptiste Vergniaud, ça attend la fin du 3e siècle, donc c'est très tardif. Mais globalement, c'est quand même donc une défense verticale. Enfin, c'est surtout les enceintes sont très répandues. Pour la première question... et donc je suis passé assez vite sur les processus de négociation parce que c'était pas le fond du sujet, ce qui comptait c'était d'aller quand il n'y a pas de négociation au-delà, mais bien sûr les négociations elles interviennent à toutes les étapes. Thibaut Boulet, il a pu étudier notamment les rituels qui vont avec la négociation et la reddition de la cité,
Et ces négociations, elles se tiennent à plein de moments. Déjà, généralement, elles se tiennent dès l'entrée d'une armée sur le territoire où on essaye de préserver ce qu'il y a sur le territoire, les récoltes, etc. Et donc, on essaye de limiter les dégâts. Mais après, dès qu'on est au niveau des enceintes et que le siège et l'investissement est prononcé, il y a encore des négociations permanentes entre assiégés et assiégeants. Et j'ai fait une remarque très brève pour essayer d'illustrer ce principe avec le cas d'Abydos. C'est la résistance d'Abydos qui enrage le roi Philippe V et qui fait que, en 201, lors du siège, le roi se refuse à avoir une reddition négociée en face de lui. Et donc, il pousse pour avoir sa fameuse reddition sans condition, où il pourra faire ce qu'il veut des Abydéniens. En exécuter une partie, réduire en esclavage les autres, il sera libre. Et quand les Abydéniens voient ça, ils se rendent compte que là, la porte de la négociation est terminée et donc qu'il faut trouver autre chose, d'où le fameux serment, le rassemblement des femmes sur les places principales et la prévision de leur exécution si l'ennemi prend pied dans la ville. Donc il y a, bien sûr, une chronologie très fine de la négociation qui accompagne les étapes du siège, ce qui n'était pas de toute façon visible dans cet exposé. Voilà. Et là, c'était la deuxième question. Chiffres. Ah, les chiffres. Les chiffres, je ne sais même plus quel chiffre j'ai donné. Il y avait 1500 hommes contre 2000. Ah, ça. Alors, ça fait, comment dire, le problème des chiffres est très débattu, mais quand même, pour l'histoire ancienne, on a des sources qui semblent, j'ai envie de dire, assez fiables quand ils parlent des guerres entre Grecs. Là où les auteurs commencent à fantasmer complètement, c'est dès qu'ils parlent des guerres avec les barbares. Alors là, ça part dans tous les sens, hein, les Carthaginois, les Perses, etc. Le fantasme est ouvert et la digue est rompue. Mais quand un Thucydide ou un Polybe parle des guerres entre Grecs, c'est quand même très cohérent. Ils vont jamais dans des effectifs qui sont incroyables, pas crédibles, et surtout ils connaissent bien l'organisation militaire des communautés civiques et leur capacité de mobilisation. Je renvoie à tous les travaux qu'Adzopoulos a pu faire sur les levées dans l'armée macédonienne. Les chiffres sont très cohérents avec ce qu'on peut recouper des capacités démographiques du royaume, des pratiques de levée qui sont attestées dans les règlements militaires macédoniens. Donc, quand même, on a pas mal de chiffres qui sont à peu près fiables. Je dirais pas à 100%, et surtout qui sont ronds, généralement. Donc, ce sont des approximations. Mais globalement, ça va. On peut quand même y réfléchir dessus. Voilà. Juste une question pour Madame Fournier. Au Moyen-Âge, la Bible, hein, c'est Végès. Il n'empêche quand même qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a des traités qui apparaissent, en particulier des traités d'artillerie, qui sont aussi le reflet d'une évolution des systèmes défensifs et de fortification. Donc je pense que les hommes du XVIe et du XVIIe siècle y étaient aussi sensibles. Vu que dans mon mémoire, je me suis vraiment. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Dans ma recherche, le master, qui n'est pas encore terminé, je me suis vraiment centrée seulement sur le 18e siècle. Mais grâce aux enseignements de Madame Dangex, effectivement, j'avais cru comprendre que c'était quelque chose de. Disons. Quelque chose qui s'était installé de plus en plus. Comme une culture de l'architecture, de la représentation du territoire. Merci. Du coup, la corollaire de la question, c'est de savoir, est-ce que dans ces inventaires après décès, vous avez pu trouver des manuels de médiévaux, notamment, ou au moins du XVIe siècle, ou en tout cas des éléments, je pense notamment au Jouvencel de Jean de Beuil, dont je parlais ce matin, qui, en termes de combat urbain, est très riche, une des sources les plus riches en tout cas, et même de polyurcétique ou l'art de faire la guerre, puisque c'est finalement un traité de comment est-ce qu'on fait la guerre. Alors pas du tout, c'était ça qui m'avait beaucoup surprise à la lecture de ces inventaires. Les seuls ouvrages qui traitent vraiment des batailles ou de leur métier d'officier, ça va être des traités de loi relatifs à la marine, ou alors des traités philosophiques, c'est tout. Merci beaucoup. Du coup, j'avais une question pour M. Seou. J'étais frappé par la mise en statistique
du coup, pour dénoncer un petit peu certaines déviations de M. Hansen. Vous l'avez mis en chronologie, ce qui est très intéressant. À partir de quel moment est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez pu le faire? Vous pensez que ce modèle, en gros, un quart de bataille finisse par un vrai choc et un vrai affrontement, et les trois quarts, finalement, ça se plie assez rapidement. Est-ce que vous avez un moment donné où ça s'arrête, où ça continue sur les années qui suivent? Alors, pour établir ces statistiques, en fait, on est tout à fait dépendant des sources. Et en l'occurrence, les seuls qui permettent de faire ce travail, c'est Thucydide, Xénophon, parce qu'ils ont un langage limpide, on ne peut pas se tromper, en fait. On ne peut pas avoir de doute sur leur vocabulaire et ce qu'ils entendent par là. Et aussi Polybe, qui lui est dans l'héritage de Thucydide et Xénophon et donc a à peu près les mêmes formules. Et surtout Tite-Live, quand il s'intéresse au texte polybien. De Tite-Live, j'ai exclu tout ce qui concernait en fait le bassin occidental de la Méditerranée, parce que quand les Romains racontent leur guerre, ils le racontent de manière complètement différente. D'ailleurs, on ne comprend rien. Moi, je ne comprends pas grand-chose. Mais c'est pour les Grecs, c'est qu'il y a quand même ces fenêtres-là de sources qui permettent d'avoir des données solides, parce que la marge d'erreur est faible, très faible. Surtout, il faut bien se rendre compte que ce sont la vision de ces auteurs du combat, c'est comme ça qu'ils se représentent la normalité. Mais, étant donné que ce n'est pas des lettrés médiévaux, enfin des moines, quoi, pardon, mais je caricature à mort. Mais étant donné que ce sont des hommes de guerre, bien sûr qu'il y a des hommes de guerre qui écrivent aussi à l'époque médiévale, ils, en gros, leur regard a quand même de la valeur. On ne peut pas le balayer d'un revers de main. Pour eux, c'est tout à fait normal de voir un groupe céder face à une charge. Quand est-ce que ça s'arrête? Donc j'en sais rien, parce que mon corpus va s'arrêter avec tout simplement les textes de ces auteurs. Il faut bien considérer une chose, c'est que déjà, par rapport par exemple à ce qu'on peut connaître à d'autres périodes, ben, les hommes ne sont pas couverts intégralement de fer. Les protections sont quand même existantes, importantes, mais limitées aussi, et les dégâts sur les corps sont quand même effroyables. Surtout, il faut bien comprendre que cela n'a rien à voir avec deux choses. Je ne le démontre pas ici, ça n'a rien à voir avec l'amateurisme, parce qu'on aime bien faire l'opposition professionnelle amateur, c'est une lecture contemporaine, ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ça n'a rien à voir avec de la lâcheté. Il faut bien comprendre que ces combats sont des mouvements collectifs et sociaux. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui rompent le pacte social dans la phalange, au moment où ça va se passer très mal. Et Xénophon est extrêmement précis là-dessus, il nous dit à plein de reprises que ces effondrements ont lieu au moment où les lances allaient se toucher, c'est-à-dire à la toute dernière seconde. À ce moment-là, il y en a qui reculent, par réflexe. Mais ils détruisent la formation en faisant ça. Et donc, les autres reculent avec eux. À part, et ça, c'est intéressant aussi, Xénophon, il nous dit toujours, comme Thucydide, qu'il y en a quelques-uns qui restent sur place. Moi, je bouge pas. C'est la victoire ou la mort. Généralement, ils meurent. Parce qu'ils se retrouvent à 5, 6 contre 1, etc. Ils sont massacrés. Mais voilà, il y en a quand même des extrêmes qui veulent rester jusqu'au bout. Mais le gros et la masse reculent. Et c'est ça qui ouvre l'opportunité pour les vainqueurs. Et d'ailleurs, il y a un très beau texte de Polybe qui nous dit que les Étoliens, en voyant leur ennemi rompre le combat devant eux dans une configuration comparable, lancent un cri quand ils voient les autres tourner. Ça veut dire, c'est le moment, les gars, faut y aller, c'est là où on va tuer. Et là s'enchaîne mécaniquement la grande déroute. Et j'insiste bien aussi sur le fait que la déroute, qui est un impensé hein, dans les auteurs militaires, n'est pas l'absence de combat. C'est des combats, mais très déséquilibrés, bien dégueulasses. Et j'essaye de l'analyser d'un point de vue iconographique. Les Grecs, ils ont un langage iconographique là-dessus qui est très très parlant. Mais ça, c'est un autre sujet. Là-dessus, je pense de suite au Moyen-Âge, parce qu'effectivement, la chasse après la fin de la bataille rangée, c'est probablement le moment le plus létal de la bataille, moins que finalement la bataille rangée qui en soit, les personnes étant cette fois-ci armurées relativement de meilleure manière, c'est plus des mises hors combat que la mort en tant que telle. Et c'est vrai que quand on a les rares charniers, on en discutait ce midi, on a des morts, en fait, on a des traces d'impact. Bon, c'est sur l'os, donc il y a tous les tissus qui posent la question, mais c'est derrière, en haut, donc ça suppose soit des exécutions, soit un cavalier qui donne la mort sur quelqu'un qui fuit à pied. Et ça m'a frappé. Aussi, votre passage sur les fourrageurs, qui est l'ordinaire de la guerre. Là aussi, on se retrouve en transpériode, hein, la petite guerre, dont on parlait un petit peu aussi ce matin. Cette guerre de campagne, c'était très intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que là, nous allons pouvoir aller prendre notre café, une pause bien méritée, je pense. Merci beaucoup.
présentation va être un peu plus grande puisqu'il y a plus d'expérience, donc il y a deux...
Est-ce que tout le monde m'entend bien ? On va pouvoir reprendre la dernière partie de cette deuxième table et la dernière intervention de cette journée. Très bien, donc après cette petite pause, on va pouvoir reprendre la deuxième table, hein, polyurcétique, espace et combats urbains. La dernière intervention est celle de Philippe Diest, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université catholique de Lille et vous avez soutenu en 2016 votre thèse sous la direction de Xavier Boniface intitulée « Le Nord-Pas-de-Calais et l'armée de 1871 à 1914, le poids des infrastructures militaires au regard de l'économie, de la société et de la politique septentrionale ». Vous êtes membre du comité scientifique du musée de la résistance de Bondu, mais également chercheur associé à l'Institut de recherche historique du Septentrion, l'IRHS. Vous avez publié en
2019 un ouvrage intitulé « Le poids des infrastructures militaires 1871-1914 dans le Nord-Pas-de-Calais » et plus récemment un article dans le numéro 310 en 2023 de la revue historique des armées intitulé « Préparer l'impossible défense de la frontière du Nord 1871-1914 ». Votre intervention d'aujourd'hui porte sur une vision différente de la polyurcétique, le déclassement et démantèlement des places de guerre françaises au XIXe et XXe siècle, une approche différente de la polyurcétique. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est bon pour le son, il faut que je me rapproche. Tout d'abord, merci de m'avoir convié à, ce colloque et je félicite l'équipe du GER pour la qualité en fait, de l'organisation. Alors donc, moi je vais évoquer la question de la polyurcétique sous un angle différent, c'est l'angle de la fin. La définition polyurcétique a été évoquée, celle de la défense de la police, de la cité, donc à la fois de la ville, mais également du territoire. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que dans l'évolution du fait fortifié, on va passer au XVIIe siècle, à l'âge des places, selon la terminologie qui a été proposée par Pierre Rocolle. Et ce fait fortifié ne va cesser d'évoluer à travers un fonctionnement en réseau, puis d'autres formes. Vauban évoquait déjà en 1670 qu'il y avait un nombre trop important de places en France. En 1705, donc à l'issue de son œuvre, qui va être marquée par des démantèlements à l'intérieur du pays et au contraire de nombreuses constructions à l'extérieur, va dire qu'il a toujours trop de place. Il évoque 297 forteresses différentes et il réclame le démantèlement d'environ 110. Ce n'est pas seulement le point de vue de l'ingénieur. Fénelon pense la même chose. Il critique les places de guerre comme étant un gouffre financier et conseille d'en démanteler une partie dans le but d'éviter qu'elles soient facilement conquises lors d'une invasion ou d'une guerre civile. Donc, vous voyez, cette question du déclassement et du démantèlement, c'est un sujet ancien qui va s'amplifier, au 19e, 20e avec l'évolution de la géopolitique, de l'urbanisme et de l'armement. Alors, Jern Mülsker, qui a travaillé sur l'espace allemand, évoque trois motivations pour ce qu'il évoque comme étant la défortification. Défortification, c'est aussi bien la destruction que la démolition, mais également l'abandon. Il dit, première cause, la croissance démographique qui fait exploser les limites traditionnelles de la ville. Deuxième raison, l'industrialisation qui impose une plus grande fluidité des mobilités, rendue impossible ou contrainte par le fait fortifié. Et troisième raison, c'est l'évolution de l'artillerie. Alors, évidemment, il dit qu'il n'y a pas une cause unique. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et dans le cadre de cette journée d'études donc sur la ville et la guerre, mon propos va se concentrer donc avant tout sur la question polyurcétique, c'est-à-dire militaire, c'est-à-dire à quel moment on considère qu'une enceinte urbaine est définitivement obsolète jusqu'au point ultime de la démanteler. Et c'est un processus sur le long terme, donc deux siècles, avec comme dernier démantèlement que j'ai recensé, c'est celui de Calais, à la fin des années 1950. Alors, qu'est-ce qui définit l'importance d'une place de guerre? C'est son classement comme qui permet de définir les moyens alloués à sa défense, c'est-à-dire l'entretien des fortifications, mais également aux moyens humains, la garnison, et matériel, une artillerie. Une place de guerre, depuis l'époque moderne, ne vaut que par son artillerie. Cherbourg, c'est la seule place nouvelle qui est construite entre 1715 et 1815. Au cours de cette période, entre Vauban et 1815, le budget d'entretien des places existantes est déjà très important. On se dit qu'on ne va pas en construire de nouvelles parce que celles qui existent semblent suffisantes. C'est ce que va confirmer, quand on regarde dans les grandes lignes, les invasions de 1793-1794 dans le cadre du Pré-Carré. Ce qui va permettre de classer à l'époque contemporaine l'importance des places de guerre, qui va constamment être rappelée en référence au niveau juridique, c'est la loi du 8-10 juillet 1791 qui définit, qui affirme que toute fortification classée
devient propriété de l'État. Ça aussi, ça va permettre de clarifier la situation des murailles qui ont été élevées parfois par les villes. Là, on dit classé, c'est propriété de l'État. Les places de guerre sont, par cette loi, divisées en trois classes, suivant leur degré d'importance. Les places et les postes de première classe, aussi places et postes, vous allez voir, c'est une terminologie différente. En 1791, on peut résumer que places, ce sont les enceintes, postes, ce sont les fortifications dans lesquelles il n'y a pas de population. Ça, ça marche en 1791 dans les grandes lignes. Par la suite, c'est complètement désorganisé, cette question. Et se posera davantage la question des servitudes, c'est-à-dire la distance sur laquelle s'établit entre le mur d'enceinte et les zones de défense, en fait, l'interdiction ou les contraintes aux constructions. Donc, places et postes de première classe sont non seulement entretenus, mais constamment modernisés. Les postes et les places de deuxième classe sont entretenus, mais sans amélioration, et ceux de troisième classe sont conservés en masse, c'est le terme qui est utilisé, pour valoir aux besoins, sans démolition, aux avantages de la défense. Ce qui fait que la loi de 1791 permet de recenser 164 places, ce qui correspond à peu près aux demandes, aux exigences de Vauban, quasiment deux siècles plus tôt. Cette loi du 10 juillet va également confirmer la création d'un comité des fortifications qui a pour mission, et c'est intéressant d'entendre ça comme mission, c'est concilier l'économie des deniers de l'État avec l'intérêt de la défense. Très contemporain, finalement, comme question. Ce comité est censé se réunir tous les ans, et pour l'accompagner, il y a le dépôt des fortifications qui est créé, dépôt qui est très important, voilà, pour les personnes qui travaillent sur la question fortifiée. Alors, ce classement de 1791 va avant tout définir des espaces géographiques. On va dire les villes, éventuellement des dépendances. Par exemple, Grandville est classée et dépendance. Et parmi les dépendances, il y a le Mont-Saint-Michel dans le calcul. On est quand même à certaine distance, mais c'est dans le secteur. Donc, en rouge, les places de première classe. En jaune, de deuxième classe. En vert, troisième classe. Et l'ensemble qui montre un petit peu la géographie générale des places de guerre. En 1821, donc après notamment les traités de Paris, il va y avoir une nouvelle organisation qui reconduit quasiment dans les mêmes lignes la loi de 1791. Donc en 1821, cette ordonnance reconduit la même chose. Il faut attendre 1853 pour avoir un nouveau classement général. C'est la dernière organisation général, parce que par la suite on sera sur des lois ponctuelles de classement ou de déclassement, alors plus ou moins large. Des fois il y a juste une place qui est déclassée, mais parfois il y a des choses beaucoup plus larges, comme en 1867, 1889, je reviendrai dessus, ou 1932. La loi de 1853 reconnaît la conservation de 56 places de première catégorie. On a changé, on est passé en série, et 40 de deuxième série. C'est une forte diminution en apparence, mais c'est important parce que entre 1791 et 1853, c'était 3 millions de francs par an pour juste entretenir les places. La première série de places, donc on va changer l'organisation, la première série correspond aux postes et aux places de première et deuxième catégorie. La deuxième série correspond à ceux de la troisième, de la troisième classe. Donc c'est là où on perd toute distinction entre poste et place, même si officiellement, en deuxième série, il y a des places et des postes. Alors ça, c'est le cas, voilà, exemple ici avec la loi de 1889, on voit comment ça s'organise. Voilà, ici, place d'Arras, donc est classée. Mais à l'intérieur, dans la deuxième série, on va trouver l'ouvrage détaché un petit peu plus loin. Donc ça permet de voir vraiment l'évolution au fur et à mesure de la période. Donc pour travailler dessus, le journal officiel devient mon livre de chevet. Étape ultime, c'est la question du déclassement et du démantèlement. Alors, il est possible de faire évoluer le classement, l'importance donc d'une place en fonction d'une loi. Parfois, ce n'est pas toute une place, c'est des secteurs. Par exemple, avec la création de ce qu'on appelle des polygones exceptionnels, c'est-à-dire des espaces bornés dans lesquels les servitudes ne sont pas ou différemment appliquées. Et il faut bien comprendre qu'on est sur un système complexe. Par exemple, en 1853, l'enceinte de Langres est classée dans la deuxième catégorie, alors que la citadelle est placée dans la première.
Donc au niveau de la gestion urbaine, assez compliqué. Si le déclassement est total, on dit que la place est rayée du tableau, et c'est un tableau, est rayée du tableau des places de guerre. Alors, comment cela se déroule? C'est prévu dans la loi 1791 et confirmé par la suite. Il faut qu'un militaire, l'armée soit d'accord, tout d'abord. L'armée confirme qu'il y a plus, que c'est plus prioritaire d'entretenir telle ou telle place. À partir de là, une loi est proposée, et cette loi doit être votée, puis confirmée par un décret présidentiel. Ça va être important pour la suite. Hop, j'avance sur mes lois de 1853. Voilà, loi 1853, je reviens là-dessus. Finalement, très peu de diminution, on a quasiment le même paysage, même si apparemment le nombre de places a disparu, c'est qu'on a, vous voyez, si on compare les deux, on est sur tout simplement un recentrement et des places sont apparues, par exemple le cas de Paris et Lyon. Donc si on veut démanteler, je prends donc un tableau que j'ai fait dans le cas sous la Troisième République, on alterne entre autorité militaire, autorité civile, décision centrale, décision locale, et ce qui importe, une fois qu'on a décidé qu'une place était rayée du tableau, c'est la question du démantèlement. Alors étymologiquement, démantèlement, c'est l'inverse du verbe manteler, littéralement couvrir d'un manteau. Donc là, c'est découvrir de la couche protectrice. Donc c'est la disparition des moyens défensifs d'un site. C'est une démolition qui est rationnelle, que l'on veut économe, parce que ça prend beaucoup, ça réclame beaucoup de moyens. Le vocable évolue. Émilie Dorgeil justement a évoqué le terme de rasement qui apparaît énormément au XVIIe siècle. On va parler également de débastionnement, ce qui correspond en fait à la fortification XVIe-XVIIe siècle. Et malgré tout, la démolition ne doit pas être totale. Il suffit parfois de démolir les parties les plus importantes pour la défense pour considérer qu'une place est démantelée, ce qui explique les paysages particuliers que l'on a par la suite. Alors, pourquoi une place va évoluer? Donc, pourquoi à un moment on va dire qu'elle est obsolète? Selon les termes des ingénieurs militaires, les fortifications urbaines sont un système d'armes dont le but, c'est de contraindre l'assiégeant à utiliser bien plus de moyens humains et matériels qu'il est nécessaire en fait, pour prendre la ville. C'est le but, c'est de créer un déséquilibre. Alors, à quel moment on va considérer que cet équilibre n'est plus assez avantageux? Alors, il y a des évolutions géopolitiques, tout d'abord. Alors, une carte de la France, j'ai fait quelques repères, tout simplement, pour voir les régions qui sont concernées. Déjà, le traité de paix de 1815 provoque un changement parce que il est prévu, notamment sur la frontière du Nord, un véritable démantèlement. On perd des places de guerre, Philippeville, Landau, qui créent en fait des trouées qui vont permettre plus facilement de rentrer à l'intérieur du pays. Donc, il faut réorganiser ses défenses. On a également des obligations dans le cadre du second traité de Paris, démantèlement imposé de la place du Ninge, donc en Alsace. Donc il faut renforcer celles qui sont à l'arrière. Autre problème, notamment dans le sud de la France, c'est la création du royaume du Piémont-Sardaigne, donc qui crée un adversaire beaucoup plus cohérent sur la frontière des Alpes. Et on décide donc de renforcer, par exemple, Grenoble ou Briançon. Se pose également le problème de deux places qui se sont montrées défaillantes, enfin, tout simplement parce qu'elles n'existaient pas. C'est le cas de Paris, c'est le cas de Lyon. On va recréer des fortifications. Alors, dans le cas de Paris, notamment avec une enceinte, mais également des forts construits entre les années 1830 et les années 1840. Durant le Second Empire, faut pas oublier que l'Empire, c'est la paix. Bon, il n'empêche que Napoléon a une politique internationale qui est notamment navale. On va renforcer la défense des ports, par exemple Brest, qui avait été plutôt délaissé, mais également Toulon. Le traité de Turin de 1860 permet de reculer la frontière des Alpes, de ne plus être sur le Piémont, mais directement au cœur des Alpes, ce qui va permettre en fait de rayer des places de guerre qui sont à l'intérieur des Alpes, même si on va les conserver quand même en sûreté. Le changement principal, c'est évidemment l'annexion de l'Alsace-Moselle entre 1871 et 1918. C'est une plaie béante où il faut complètement reconstituer une frontière à 150 km de ce qui était anciennement les lignes. C'est bien qu'on va devoir
recréer des places, par exemple à Dijon, Langres, Auxonne, qui n'étaient plus places de guerre depuis le XVIIe siècle, parce que la frontière avait reculé. Donc on les remet en place. Durant l'entre-deux-guerres, on a un apogée militaire jusqu'en 1924. Les fortifications, ça ne sert à rien, parce qu'on a gagné la guerre par l'offensive. Donc il y a une critique supplémentaire des fortifications, à la fois d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue technique. Clémenceau, par exemple, dans le cas des démantèlements de Dunkerque et de Lille, évoque qu'il n'y a aucun inconvénient à prescrire dès à présent le dérasement de l'enceinte proprement dite, qui, en tout état de cause, ne pourra jamais être d'une utilité quelconque, comme l'a prouvé les enseignements de la guerre précédente. On retrouve souvent ces phrases. Cependant, s'affirme également un autre concept, celui de l'inviolabilité des frontières, qui s'affirme dès 1922, notamment Pétain qui insiste sur le fait qu'il faut que cette inviolabilité soit absolue. Et Foch considère, lui, au contraire, que c'est un dogme périlleux. Parce qu'une fois qu'on a passé la première ligne, que reste-t-il derrière ? Ça aboutit en 1929 à la ligne Maginot. Une multitude de fortins, mais pour financer tout ça, je vais revenir, on va devoir démanteler. À partir de 1945, nouvelle approche dans la mesure où il n'y a plus d'ennemis aux frontières. Et à partir de 1950, on conserve les fortifications, avant tout, qu'on qualifie de vieilles fortifications, en opposition à la fortification récente bétonnée. Et donc les dernières places sont déclassées et vont rentrer dans la catégorie des friches militaires. Donc ça, on voit déjà des évolutions par rapport à l'importance des places. Mais c'est surtout l'évolution, en fait, je veux dire, de l'épée et du bouclier, des moyens d'attaque et des réponses qui sont proposées qui vont expliquer l'évolution de l'importance d'une place. Il n'y a pas d'amélioration notable au niveau de l'artillerie avant le milieu du 19e siècle. Dans cette logique, on reconduit, notamment Axo, l'école de Mézières, va reconduire, en fait, ce qui a déjà été fait quand on construit une place, on refait des bastions, c'est ce qu'on fait à Dunkerque, c'est ce qu'on fait à Lille, c'est ce qu'on fait à Toulon pour l'enceinte urbaine. Par contre, les changements vont être beaucoup plus rapides dans la deuxième moitié du 19e siècle avec des inventions technologiques, je vais revenir dessus, mais aussi le chemin de fer. Le chemin de fer va permettre de concentrer très rapidement des moyens d'attaque et de déplacer très rapidement ces moyens d'attaque. Par exemple, en 1877, on va reclasser le Quesnoy. Le Quesnoy avait été déclassé, rayé des places de guerre 10 ans plus tôt. Sauf qu'on se rend compte que dans le cadre de la nouvelle défense de la France, elle est juste à côté d'un carrefour ferroviaire, et on décide plutôt que de construire un fort, en fait, de reclasser les fortifications qui n'avaient pas été endommagées. Dans les années 1850-1860, se développe l'artillerie rayée, qui va permettre d'augmenter la portée et la précision des projectiles, et ces projectiles évoluent, ils deviennent des obus creux dans lesquels on met de la poudre et ça augmente la puissance de destruction. De plus, se développe l'acier qui va augmenter à la fois la cadence et éviter les déformations liées à la chaleur. On fait des tests en 1863 à l'île d'Aix sur le fort Liédo et les tirs atteignent très efficacement leur cible. Quelle est la réponse donnée ? Dans un premier temps, on refuse de voir un problème. Ça arrive souvent en fortification, non, c'est juste un accident. Le comité des fortifications en 1864 dit effectivement, il y a peut-être un danger, mais c'est pas grave, on a un fusil, le chasse-pot, donc on aura beau nous attaquer, l'ennemi arrivera, on lui tirera dessus de plus près. Bon, on décide quand même de reculer le défilement. Et on place les canons sous des casemates, on commence à les protéger plutôt que les laisser à l'air libre, sous les casemates Axo. L'expérience de 1870 va montrer à quel point l'artillerie rayée a changé la donne. Il y a des cas de siège victorieux, c'est le cas évidemment de Belfort, de Beach, de Paris. Paris ne tombe pas, mais on montre d'autres cas, par exemple Soissons qui se rend le 15 octobre après un bombardement, Rocroi qui se rend juste après quelques heures. Donc ces vieilles fortifications ne servent plus à rien, d'autant plus que on ne bombarde pas seulement les fortifications, on s'est rendu compte depuis déjà le 18e siècle que bombarder les habitants, c'est beaucoup plus efficace, parce que les habitants vont aller se plaindre au gouverneur. Donc, il faut trouver une autre solution, c'est le cas à Strasbourg. Strasbourg aurait reçu 200 000 projectiles. On décide d'éloigner l'artillerie de siège. Voilà comment on va faire. On va créer des systèmes fortifiés. Hop. Des systèmes fortifiés en créant des forts au loin. Ce qui n'était pas possible avant. Les forts, par exemple, les forts qui étaient construits
éloignée des fortifications de Vauban ne permettait pas ce qu'on appelle la liaison des feux. On le voit là, par exemple, à droite avec les zones bleutées, c'est-à-dire les places, les forts qui se couvrent entre eux. Ça permet de créer de très grandes organisations, le cas de Paris, le plus grand camp retranché d'Europe avec 100 km de périmètre. À La Rochelle, le fait qu'on ne puisse pas construire de ceinture fortifiée va nourrir par exemple les arguments des habitants en disant « Ah, il faut démanteler, on ne peut plus rien faire ». 1885, nouvelle crise, c'est la crise de l'obus-torpille, donc on revient à cet obus, mais sauf qu'on crée un nouveau explosif, la mélinite. Donc non seulement on tire plus loin, on est encore plus précis et les maçonneries éclatent. On fait les tests au fort de la Malmaison, c'est sur le chemin des Dames. Ce que vous voyez en rouge, donc ce sont les impacts faits réellement par obus. Les verts, ce sont des pétards, donc des tests. On se rend compte que tout ce qui est touché est chamboulé. Donc c'est un peu la panique. On se rendra compte plus tard que c'est pas si efficace. Enfin, l'efficacité peut être relativisée. Il n'empêche que les historiens de la fortification ont l'habitude de dire les enduits ne sont pas encore secs, on peut tout recommencer. Quelles solutions sont proposées? Alors, le fait de créer de nouvelles batteries aux abords pour éloigner l'artillerie, créer des cuirasses métalliques ou bétonnées. Donc finalement, on se dit on va faire cela, sauf que le coût, en 1888, on l'estime à 210 millions. En 1899, on l'estime à plus de 300 millions. Donc les budgets ne suivent pas. Par la suite, c'est l'avènement des bombardements, donc des populations, et notamment des bombardements aériens. Bombardements aériens qui vont se retrouver également doublés avec d'autres perspectives, notamment les gaz, c'est ce qui est évoqué avec cette affiche de la défense passive, mais également, par la suite, les bombes atomiques. La solution, ce sont les abris souterrains, alors parfois dans les anciennes murailles, mais souvent des fortifications bétonnées qu'on va retrouver notamment dans les Festungen créés par les Allemands autour de certaines places, notamment Cherbourg, Saint-Malo, Saint-Nazaire, voilà. Donc voilà, toutes ces problématiques qui apparaissent et quelles solutions est proposé pour financer tout ça, bah généralement, c'est-à-dire d'enlever, déshabiller Paul pour habiller Jacques. À chaque fois, c'est ce qui est envisagé. Par exemple, en 1866, donc quand on se dit on va essayer d'améliorer les places, on se décide de déclasser la citadelle de Doulin, Sapville, Montreuil, Béthune, Saint-Venant, Le Quesnoy, Avesnes, mais d'autres places pour renforcer Lille, Valenciennes, Mézières, Metz, Strasbourg. On utilise cet aspect-là. Pour en faire ça. Alors parfois c'est pas toujours possible. Par exemple Mézières en 1815 comme en 1870 a prouvé qu'elle était inefficace. On se dit on va créer des ceintures une ceinture fortifiée de plusieurs forts. Résultat des courses, on va construire un fort, un seul, pas plus. Donc très rapidement Mézières dit non, en fait on ne peut plus continuer à faire la guerre. Pour la crise de l'obus-torpille, c'est la même logique. On se rend compte que s'il faut choisir, il faut protéger l'Est. Donc, plusieurs aspects dans la loi de 1889, qui va justement être une vague de démantèlement. On va, en rouge, déclasser certaines places sans aucune convention. Donc, on va directement démanteler. Dans d'autres cas, on va plutôt proposer, donc en jaune, des décrets spéciaux pour définitivement démanteler. Et pour d'autres places, enfin, donc là en bleu, ils sont déclassés en deuxième catégorie. Ce qui montre bien que, et ça explique pourquoi les Allemands sont passés par la Belgique plutôt que d'aller dans l'Est en 1914, c'est tout simplement que le Nord a payé pour l'Est. On a vraiment cette idée-là. Donc, progressivement, à force d'avoir cette politique de déshabiller Paul pour habiller Jacques, on va perdre quelque chose qui est très important en termes de pollueurs éthiques depuis l'époque moderne, c'est la question de la défense en profondeur. On va de plus en plus se rapprocher des frontières, de moins en moins défendre en particulier les villes. On va justement désurbaniser la défense. Alors, j'arrive sur le dernier point, la question du démantèlement comme décision ultime. Alors, pourquoi est-ce qu'on va démanteler? Pour l'armée, il y a une raison, c'est libérer définitivement des ressources. C'est ce qui se passe notamment à la fin
du 19e siècle, début 20e, il faut financer de nouveaux armements terrestres et maritimes et déployer plus de troupes. Par exemple, en 1898, on imagine un compte spécial pour financer la production des canons de 75, l'arme de la revanche. Et pour financer cela, on se dit on va prendre sur les bénéfices qu'on va tirer du déclassement de Paris. Donc, déclassement de Paris, c'est 1919. Donc, le calcul n'est pas bon, mais donc on va déclasser d'autres places en attendant. L'exemple est assez intéressant. Donc là, ce sont les frontières au début, justement, de la bataille des frontières d'août 1914. Donc, vous voyez officiellement en rouge les places qui ont encore des forts en activité. Donc ça, c'est la zone de tir d'artillerie. Est-ce que vous voyez les places sans couleur? Ce sont des places, en fait, qui n'ont plus de défense, qui ont été déclassées. Et on voit clairement les trouées qui sont visibles. L'Est est très bien protégé. L'île, vous oubliez, parce que officiellement c'est encore une place de guerre, mais le ministre a envoyé un télégramme en disant « c'est une ville ouverte ». Donc, il y a très peu de défense, il n'y a plus de défense en profondeur, on est exactement là-dessus. Mais pour Joffre, ça a libéré des troupes, et la question se posera en 1914, quand on manquera de moyens, notamment d'artillerie lourde, on décide en fait d'enlever celle des forts. Et en 1915, Joffre annonce tout simplement que les places ne doivent plus être défendues pour elles-mêmes, ce qui explique le cas de Verdun, notamment Douaumont, qui est pris très rapidement. Alors, qui désire le démantèlement? Alors, ce démantèlement peut être désiré par l'armée. L'armée va dire, lorsque une place est rayée du tableau, il faut la démanteler pour pas qu'elle serve d'abri à... elle est inutile, mais il faut pas qu'elle serve d'abri. Parfois, elle se dit, c'est tellement inutile que on va plus du tout l'utiliser. Exemple, le Quesnoy qui est déclassé en 1902, voilà comment les Néo-Zélandais sont obligés de la reprendre en 1918, à l'échelle. Berg est censé ne plus avoir d'utilité, même si elle n'est pas officiellement déclassée, elle n'a plus d'utilité. Il n'empêche que les troupes franco-britanniques iront se réfugier à Berg pendant l'opération Dynamo. Ceux qui souhaitent réellement plus régulièrement le démantèlement, ce sont évidemment les populations. Ils souhaitent le démantèlement pour se développer économiquement, pour se développer d'un point de vue urbanistique, notamment d'un point de vue hygiénique, mais également pour éviter les risques de la guerre. Certains évoquent le fait que les fortifications attireraient la guerre comme le paratonnerre attire la foudre. Les démantèlements sont vivement négociés avec les populations, quitte à s'endetter sur le long terme. Ils sont parfois amplifiés par la situation. Je reviens sur Mézières, dont j'ai parlé juste avant. Mézières est frustrée, elle est toujours classée, elle ne parvient pas à se développer, alors qu'à côté d'elle, enfin, pas très loin d'elle, vous avez Reims, vous avez Troyes, qui sont, elles, en cours de démantèlement. Donc, une forme de jalousie. Et, lors des déclassements, deux possibilités, soit c'est l'armée qui s'occupe du démantèlement, soit c'est la ville. Exemple assez intéressant, parce que Auxonne et Antibes ont été déclassés en même temps, 1889, et ont un décret spécial du président en 1896 pour le démantèlement. Auxonne paye 100 000 francs, mais le démantèlement est à la charge de l'État. Antibes paye 30 000 francs, mais c'est à la charge de la ville. Ça doit être réalisé sur 2 ans pour les portions les plus importantes et 6 ans pour le reste. La question sur le long terme, c'est qui y gagne finalement par rapport à ce financement. Mais il reste quand même des fortifications. Alors pourquoi les fortifications sont-elles conservées? Alors des fois, c'est tout simplement parce qu'on a juste agrandi les fortifications. Par exemple, Lille, en 1858, est agrandie. Elle va quintupler sa superficie. On va en gros prendre la fortification de Vauban, on rase ce qui est à l'ouest et on crée de nouveaux bastions un petit peu plus loin, ce qui permet d'agrandir la ville. Parfois, c'est tout simplement des questions de délai. Je donne un exemple ici avec les places du Nord qui sont déclassées en 1889. Donc, 27 mai 1889, on négocie pour la convention de démantèlement. Les parlementaires doivent accepter, puis il faut le décret présidentiel. Parfois, ça prend 5 ans. J'ai des cas où ça dure 10 ans, plus de 10 ans. Donc, entre-temps, la ville n'a plus les contraintes liées aux servitudes. C'est ça qui l'embête surtout. Et s'accommode finalement de la présence des fortifications et ne va plus exiger leur démantèlement et y voir parfois un intérêt. Parfois le démantèlement est progressif. Ici c'est Dunkerque. Dunkerque est officiellement déclassé en 1921, sauf que les territoires ne sont officiellement remis
à la municipalité qu'à différentes étapes, 1925 jusqu'en 1930. Ce qui explique qu'on a certaines portions qui existent, par exemple, tout au nord, dans la partie conservée, on a le bastion juste à côté, le bastion 32 aujourd'hui qui est un musée, mais qui est l'un des derniers vestiges de la fortification. On a parfois certaines communes qui souhaitent garder tout simplement une enceinte, c'est le cas de Lyon. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les militaires disent que ça n'a aucun intérêt d'avoir une enceinte lyonnaise, mais Lyon dit « si, si, c'est très bien, parce qu'on voit bien les frontières de la ville, et ça permet de récupérer l'octroi. » Donc on va garder cette enceinte. Mais dernier aspect, et ça tombe bien, je finis très vite, c'est la question de l'enjeu patrimonial. Parce que le patrimoine militaire a longtemps été considéré comme un non-patrimoine. L'un des exemples les plus connus, c'est le cas de Carcassonne. Carcassonne est rayé du tableau des places de guerre en 1804, ça devient une carrière. Seulement, en 1821, avec l'ordonnance donc de 1821, l'armée décide de la reclasser militairement avant d'être protégée au titre. Donc ça la protège, elle n'a plus trop d'utilité militaire, c'est plutôt dans l'arrière-pays, il y a d'autres places plus intéressantes dans ce secteur-là des Pyrénées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va être classée en monument historique en 1858. Donc on a la substitution d'un classement pour un autre. Et on voit ces évolutions à travers le temps, parce qu'il y a vraiment une chronologie du classement des fortifications. Avant la Première Guerre mondiale, voilà, c'est avant tout les fortifications antiques, médiévales, renaissance. Voilà, on a vraiment cette chronologie, je vous laisse regarder ça. Mais c'est intéressant, c'est des fois, on a le classement qui est avant le déclassement militaire. En 1936, par exemple, l'enceinte de Berg est classée monument historique, alors qu'elle n'est déclassée militairement qu'en 1946. Et parfois, c'est l'armée qui prend des précautions pour protéger certaines portions. Dans la convention d'Oxon, il est précisé que le département de la guerre s'engage à maintenir dans leur état actuel les portes de Grès, donc c'est la porte royale, monument historique en 1939, et de Comté, monument historique en 1925, auxquels se rattachent des souvenirs historiques. Sauf que cette convention, elle date de 1896. Donc on voit qu'il y a derrière les déclassements, les démantèlements, une nouvelle notion qui apparaît, c'est celle de patrimoine, ce qui montre bien que se développe aussi autre chose au-delà de la frontière matérielle, c'est une frontière symbolique, la conservation de quelque chose dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme d'esprit de défense qui apparaît à travers le fait fortifié. Je vous remercie. Bien, on va pouvoir passer pour ceux qui ont des questions à les poser à Monsieur Diest. Comme nous ne sommes pas forcément en avance, mais nous ne sommes pas trop en retard, on va prendre 2-3 questions grand maximum. Donc s'il y en a, c'est le moment. Parfait, les micros qui arrivent. Merci beaucoup, Philippe, pour cette belle intervention. Moi, j'avais une question quand tu as mentionné que le démantèlement ou les destructions pouvaient être partielles. Est-ce qu'il y a des commissions qui surveillent? Est-ce qu'on a plus de visibilité sur ce qui reste? Et je pense notamment les travaux de terrassement. Alors, ça, on voit, c'est une question voilà, entre ce qui est prévu par la convention de démantèlement initialement, puis par la suite, on voit que le temps fait son effet, notamment voilà, en 1889, on dit que tout doit être détruit. Effectivement, alors certaines communes ne sont pas forcément d'accord sur tout, ils négocient notamment à travers des commissions archéologiques qui reviennent derrière en disant « mais non, en fait, cette portion-là, elle est intéressante, elle est assez révélatrice », alors souvent, ce sont les portes qui sont conservées. Mais on a des cas en fait, d'oubli, par exemple à Saint-Omer, il y a toute une portion qui est conservée aujourd'hui qui permet en fait, qui a permis la construction d'un parc, tout simplement parce que ce n'était plus dans un secteur capital. Et ça alors que la convention initiale prévoyait le démantèlement total. Et justement l'idée de, en poursuivant ces travaux, c'est d'essayer de définir avec le temps finalement combien de temps il faut pour que l'armée oublie de démanteler des choses ou la ville dise personne s'en rendra compte et surtout effectivement quelle portion. On sait que dans certaines conventions on dit non mais il faut démanteler uniquement cette partie là et après ça suffit, après le reste comme vous voulez. C'est ce qui arrive par exemple à Maubeuge, le nord est rapidement démantelé, le sud pose question, et c'est quasiment 20 ans plus tard qu'on finit le démantèlement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous en prie. Merci. Est-ce que vous pourriez développer le cas intéressant dans une discussion tout à l'heure de Lille en août 14 pour montrer face à une problématique bien précise, une guerre réelle, ce qui se passe au niveau des choix? Alors, j'ai combien de temps pour répondre? Oui, 5 minutes. 5 minutes, oh, très maximum, bien. Grand maximum. Très bien. Alors, la question de Lille, en fait, est ancienne au niveau du démantèlement. En gros, avant 1914, ça fait quasiment 25 ans que la municipalité demande le déclassement et le démantèlement. Notamment parce que c'est une chose intéressante et qu'il faut développer dans... J'ai pas eu le temps d'en parler, c'est le passage de la ville close à la ville agglomération. Sauf que Lille voit quasiment du haut de ses remparts Roubaix et Tourcoing qui explosent. Donc, qui commencent même à toucher, en fait, par d'autres communes, on commence à toucher les murs, tout simplement. Donc, une envie de démanteler ces fortifications à plusieurs reprises, en 1889, en 1902, en 1905, en 1911, ils sont persuadés que c'est réglé. À chaque fois, il y a quelqu'un qui dit non, mais c'est une très mauvaise idée, parce que si on fait ça, les Allemands vont passer par là. Ça, c'est récurrent. C'est pour la ville, c'est une frustration, mais c'est également une frustration au sein des états-majors. Au sein de l'état-major, qui considère que Lille prend trop de moyens. Il y a une place dépôt bien plus intéressante à côté, qui est Maubeuge. En cas de siège, en plus, comme il y a 4000 habitants dans la ville, c'est moins contraignant. Donc, on laisse, en 1912, l'autorisation au ministre de la Guerre, pendant la guerre, la possibilité en fait de choisir l'évolution des moyens de défense de la frontière du Nord. Et donc, c'est ce qui va se passer en 1914, mais attention, pas quand la guerre a commencé. Le 1er août, le ministre de la Guerre dit « Lille est ville ouverte ». Plutôt, les fortifications de Lille ne seront pas défendues. Alors, que sont les fortifications de Lille? C'est l'enceinte ou c'est le camp retranché? Parce qu'il y a aussi un camp retranché autour. Le but étant de libérer des moyens, c'est ce qui était souhaité par l'état-major. Ces moyens, ils sont envoyés à Dunkerque, ils sont envoyés à Maubeuge, ils sont envoyés à Paris, dans des secteurs qu'on considère plus importants. Sauf que la population n'est pas informée, vu que comme c'est un télégramme qui est seulement envoyé, personne n'est au courant, et les officiers qui vont arriver sur place vont découvrir en fait que la place est démantelée. La place est déclassée. Elle n'est plus censée avoir les moyens, sauf que pour évacuer tout ce qu'il y avait à Lille, c'est extrêmement compliqué. Et même les Allemands ne comprendront pas, parce que quand ils prennent la ville le 12 octobre, parce que les Allemands, quand ils arrivent, les Français s'en vont, mais ils ne passent pas à Lille. Lille est abandonnée. Il y a des Français qui viennent, il y a des Allemands qui viennent, ils ne se croisent pas. Puis en octobre, ils commencent à se croiser. C'est assez intéressant comme situation. Et au dernier moment, les Allemands envoient un émissaire. Ils disent « on veut parler au gouverneur de Lille ». Comme Lille n'est plus place forte, on dit « mais il n'y a pas de gouverneur ». Ah ben on va rentrer dans la ville, sauf qu'il y a des Français qui les attendent. Donc on montre justement toute la complexité de gérer ces villes. Et en fait, il faut attendre 1919, le lendemain de la guerre, pour que la place soit officiellement déclassée. Et d'ailleurs, la mairie s'appuie sur le fait, rappelez-vous, le 1er août 14, on a eu un télégramme qui montrait à quel point ces fortifications étaient inutiles. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, vraiment très très bref hein, comme question, parce que là sinon on va exploser le compteur. Le tableau que vous avez montré tout à l'heure cite des constructions de terre, les ouvrages de terre je crois, si c'est l'expression exacte. Ah oui, c'est là, les ouvrages en terre. Je ne sais pas de quand date ce tableau. Je voulais savoir si vous aviez une idée de la proportion de ces ouvrages de terre en termes de fortification en France à cette date. J'essaye de réfléchir à Arras, donc j'ai pas d'idée justement de ces proportions, mais c'est intéressant de voir qu'il existe déjà des ouvrages en terre. L'idée de cette fortification qui n'est pas, enfin qui est semi-permanente, on va dire, est prévue dans les plans de siège. Ça, on voit qu'on va pouvoir renforcer, mais pour les gros ouvrages, voilà, effectivement, en face de la redoute d'Arras, c'est anticipé. Maintenant, je ne saurais pas dire quelle est la proportion, mais ce sont les plus gros qui sont recensés comme tels. Effectivement, ceux-là sont très faciles à déclasser, parce que finalement, il suffit de reniveler pour éviter de mettre en défense. Cette fois, c'était la dernière, réellement.
Merci beaucoup. On remercie toute l'équipe numérique pour le travail du direct. On remercie aussi les personnes qui sont venues, qui ont pris la peine de venir en présentiel, mais également sur le direct de l'université. Merci à la gestion pour l'équipe du GER Jeune Recherche pour ça. Et évidemment, un grand merci aux intervenants pour leurs interventions d'une très grande qualité. Donc merci beaucoup. Et ça finit cette première journée de colloque. Et on se revoit, j'espère, demain matin à 9h. Pour la suite du colloque GER. Voilà.